Et coucou les amis. Ah oui, et oui, on est là, ça y est, on est là, on est là, on est en retard. La vie est trop courte pour qu'on soit pressé. Donc voilà le dicton du soir. J'espère que vous allez bien tous. Salut Daniel Destruel. Notre ami Seb. Alors Seb, ça va? Passez une bonne journée. Il y a Daniel, il y a aussi Richard, Daniel Richard. C'est pas un chanteur, ça, Florence, qui est dans les studios. Là, peut-être tu peux me faire un. M'aider. Il y a Daisy qui vient de nous rejoindre aussi. Patrice, alors on ne devait pas être là, mais moi j'avais envie de vous voir. Il y a Raymond qui va nous rejoindre aussi. Il faut que je donne le lien à Raymond s'il veut passer, venir papoter avec nous. En tout cas, ce soir, on est reparti pour un tour. Ça va être chaud. Qui c'est que. Lorenzo, salut. Sandrine, qui c'est que j'ai oublié encore? On a Milo. Qui est là. Ah oui, il y a notre ami Josy qui va nous rejoindre et puis du monde qui va monter à l'antenne. En tout cas, je vais vous donner le lien si vous voulez nous rejoindre. Et ce soir, on va essayer de faire un peu de voyance avec vous pour démarrer l'été. Ce soir, comme on dit, tout le monde va bien. Bonsoir à ceux qui arrivent, Astrid, Dino, Sylvain. Alors Sylvain, je vais te trouver une citation pour toi. Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais. Ah, je sais pas si ça te va. Il y a Jean-Pierre aussi qui est là. Salut JP. Il veut aussi peut-être une citation, Florence, Jean-Pierre. Le contentement de ce qu'on a fait partie du bonheur pour Jean-Pierre. Ah oui, bah oui. Hein. Il doit être dans le bonheur sûrement. Hein. En tout cas, vous êtes sur Fréquence Paranormale, la fréquence des branchés du para. Je sais pas pour combien de temps on est là. On a même des cartons rouges. Vous pouvez venir à l'antenne. Je vous rejoins avec Florence dans quelques instants. Bougez pas. Eh oui, il faut pas être pressé. Ce soir, j'étais en train de discuter avec Florence. Vous voyez comment ça se passe dans les studios. Alors, qui c'est qui est là? Raymond, il faut que je t'envoie le lien sur Facebook. Je vais venir te le poster. Ben, j'espère que tu vas bien. Il y a Milo qui fait vive Florence. Ouais, ben, tiens, on va aller chercher de suite Florence qui est là dans son cabinet et qui vous rejoint sur le live. Salut Florence, bienvenue sur le live. Salut tout le monde, merci Laurent. C'est une citation d'Oscar Wilde que tu nous as dit. Eh oui. Bah, écoute, il y a quand même, il faut avoir une philosophie zen un petit peu dans la vie. Moi, je dis toujours, la tranquillité est les plus grandes énergies de relaxation. Voilà, Oui. tranquillité. Il faut être tranquille. Alors, soit on n'est peut-être pas tranquille sur fréquence, parce que tu as vu, il y a déjà plein de curieux là sur les lives. Hein. Il y a Sébastien, ouais, c'est vrai que la curiosité est un vilain défaut, surtout dans le para, quoi. Il y a Indiana qui est Indiana Jones. Ah, j'adore ce film. Ah, c'est vrai que c'est pas mal, Ouais. Il y a ce côté, bah, l'histoire des crânes de cristal. Tiens, on fera un live sur les crânes de cristal. Que vous en pensez, hein. Ah vous? oui, Hein? ça En c'est attendant, on va faire un mystérieux. live sur le crâne de Mika qui vient de rejoindre le live, qu'on salue. Et une petite citation aussi pour notre ami Mika. La grande affaire et la seule chose qu'on doit avoir, c'est de vivre heureux. Voilà pour Mika. Voilà. T'as qu'une chose à faire, c'est vivre heureux ce soir sur Fréquence avec nous. Et puis, ben, si vous voulez venir nous poser des questions en direct, moi, je vais mettre le lien dans le chat. Vous pouvez venir en son ou tout simplement. Voilà, on va peut-être prendre des questions aussi dans le chat, mais Delphine va nous rejoindre pour les noter aussi. Et je vous mets le lien pour ceux qui veulent venir nous rejoindre. Voilà. Pour ceux qui ont déjà le lien, ben, merci de venir aussi. Et pour ceux que j'ai oubliés, pardon. Voilà, hein, Florence. Alors toi, la voyance, Bah t'as commencé à en faire quand, à quel âge? oui. J'ai commencé à savoir sur les gens, enfin savoir les décrypter, savoir ce qu'ils pensaient, ce qu'ils pouvaient ressentir ou quoi que ce soit très tôt, hein. Vers 8-9 ans, quand j'ai compris ce qui se passait. Donc forcément. C'est une Après, intuition qui venait à ce moment-là, quoi. bah ça, les rêves prémonitoires aussi, il y avait ça. Après, on n'en discute pas forcément parce qu'on a peur du regard des autres enfants de notre âge. C'est surtout ça. Donc, c'est vrai on tait un peu ce truc-là en continuant de vivre, sauf que bah, on ne vit pas forcément comme les autres. Parce qu'il nous arrive toujours quelque chose de, voilà, d'extravagant ou Étrange. Et voilà. c'est quoi, excuse-moi, le premier ressenti ou le premier flash que tu as eu et qui t'a fait comprendre que tu n'étais pas comme les autres, je sais pas, il y a eu un C'est quand j'ai moment. fait.
C'est quand j'ai fait mon rêve prémonitoire pour l'accident, que je décris souvent d'ailleurs. J'ai rêvé qu'il y avait un accident sur la bretelle d'autoroute ou proche de chez mes parents. Sauf que pour pouvoir aller chez mes grands-parents, on était obligé de traverser cette bretelle d'autoroute. Donc c'est un système en deux temps. Et j'avais rêvé de cet accident dans la nuit. J'avais raconté à ma mère. Et le soir venu est arrivé exactement ce que j'avais dit, c'est-à-dire que mon grand-père appelait. Il fallait qu'on y aille. Tout ça pour changer des fusibles, évidemment. Mais ça pressait pas, donc c'était pas à la minute. Et Fallait pas y aller, quoi. en s'y rendant, ma mère découvre que le rêve que j'avais fait de l'accident était réel, il était en train de se passer, il était là, la voiture était pliée, les pompiers essayaient de sortir quelqu'un de la voiture, et je revois encore le regard de ma mère qui me jette des regards à l'arrière pour me dire, mais comment tu savais? Et puis c'est surtout que j'avais ce mot incessant du mot secrétaire. Alors quand on est petit, quand on a 8-9 ans, secrétaire, ça relève de beaucoup de choses. C'est un meuble, une femme ou un homme, ou peu importe. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'en rapprochent, métier ou autre. Un Sauf que le bureau. lendemain, voilà, le lendemain, j'ai appris que c'était le frère de la secrétaire de mairie où mes grands-parents habitaient, qui était décédé. D'accord. Donc Et donc, j'avais. et ça t'a ouvert les yeux, t'as dit Ouais. j'ai une capacité étrange ou. N'y a pas eu que ça, mais ça, c'est le Ouais. plus flagrant. Je pense que c'est le plus. Le coup de grâce, comme on dit. C'est ce qui finit de te montrer que bah, si tu en as des capacités, si tu sais que quand tu décris une personne ou quand tu vis quelque chose comme ça, Ouais, c'est vrai, quand on vit des choses de fou. Tu sais qu'il y a quelque chose au fond de toi qui se passe, qui ne sont pas comme les autres. Moi, C'est un vraiment jour, ça. au fond de moi, on m'a dit, mieux vaut vivre enchaîné près de celui qu'on aime que libre au milieu des jardins près de ceux que l'on est. Oh, bah alors là, c'est fou, hein. Mais, par contre, on a Raymond qui est là dans le chat, à qui tu as fait une voyance, des ressentis sur un précédent live. Oui. Qui avait envie de te reparler, on en avait parlé ensemble en off, et il me disait, j'ai des choses que j'aurais voulu dire à cette demoiselle que j'ai pas eu le temps. Je sais pas, il va nous rejoindre, il va Bah, sûrement volontiers, vouloir un volontiers. complément de sa consultation. Je ne sais pas, Peut-être. on va peut-être se remémorer un peu l'histoire avec lui. C'était le. Alors, attends, laisse-moi me récapituler. C'était le monsieur avec sa maman dans le camping-car, non? C'était pas Ah non, c'est pas ce. sa maman, Ah. c'est sa moitié. Non, la maman qu'il fallait faire Ah oui, oui, on un avait mis un contact défunt. contact Et j'ai même défunt avec dit sa que. maman, ouais. J'ai même dit que sa femme ressemblait à. J'ai cru que c'était sa fille au départ. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Il est là, il est Effectivement. dans les studios, il est en train de se préparer Ah. avec son casque, ils sont là, on va aller les chercher. Mais alors, c'est vrai que. Vivre avec une capacité comme ça ne doit pas être facile. Il y a Josie qui va Bon. nous rejoindre. Je ne sais pas si elle est là dans les studios, mais on l'attend parce qu'elle aussi, elle vit ça. J'aimerais bien savoir son avis aussi là-dessus. Dans les premiers temps, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que tu as peur du regard des autres. Mais après, une fois que tu apprivoises un petit peu tout ça, que tu mets un peu dans l'ordre les choses, c'en est même rigolo. C'en est même rigolo parce que moi, des fois, je décrypte des gens comme ça. Tiens, l'autre jour, je t'en avais parlé. J'ai mon livreur Amazon qui est venu. Et j'ai pas pu m'empêcher, je lui dis, ah, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Hein. Le pauvre monsieur timide, t'es devant moi, je lui dis, mais faut pas être timide comme ça, c'est pas la peine. Et je dis, mais tout va bien se passer, vous inquiétez pas, c'est moi qui vous le dis. Alors ça devait être son premier jour, je pense. Il y a Patrice qui nous dit dans le chat, il y a 2 semaines, j'ai rêvé de ma voisine, elle était malade et elle est décédée le lendemain. T'es gentil, tu rêves pas de nous ce soir, hein, Patrice. Hein.
Non, elle n'est pas mari décédée, ou... Laurent. Elle n'était Ah, pas elle n'est pas décédée. décédée. Ah, alors ça, tu peux Non. rêver de nous, Elle hein. a été à Désolé. l'hôpital. Elle a été à l'hôpital, mais elle n'est pas décédée. Je ne vais pas décéder ce soir. Zut alors. Non, 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 Tue j'ai pas dit une les gens quand bêtise. même. Non, 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 quand même pas. Alors, l'expérience est une lanterne que l'on porte dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru. Ah Voilà, ça, oui, c'est encore une c'est citation ça. sympa. En tout cas, je vais essayer d'en donner quelques-unes ce soir. Pardon, Patrice ou Marie, je ne sais plus. C'est Patrice, oui. Patrice. Bon, en tout cas, c'est eux, hein. Bon, je dégreffe la question. Si vous avez des questions, une question à poser à Florence, je la greffe. Allez-y. Posez-la, je la prends, je la mets sous elle, comme ça elle réfléchit. Et entre-temps, avant de répondre à cette question, on va peut-être accueillir Raymond, si tu veux bien. Oui, volontiers. Hein, on va le chercher. Raymond, es-tu là au bout du tunnel ou... Allô, allô, est-ce que tu es là? Je vais te chercher. Voilà. Bonsoir et bienvenue Je Raymond suis là. sur Fréquence. Bonjour. Oui. On t'entend très Bon. bien, Raymond. Bonsoir, tu vas Bonjour bien? Florence, oui. Oui, on Ça va va? bien, oui. Oui, on va bien, oui. Attends, je Ah. m'installe à côté. Je m'installe à côté de Babette, là, voilà. Voilà, vous m'entendez? Oui, on Oui. t'entend. Alors, j'ai greffé une question, donc vous n'en reposez pas pour l'instant, parce qu'après, on va répondre à cette question D'accord. qui est en dessous, et Josiane, Josie, où es-tu? Ouh. Alors, Raymond, ça va? Tourne vers toi. Oui, on va bien, oui. On est bien, on est dans un département où il fait très très chaud, mais je pense que c'est aussi la généralité pour tout le monde. Oui, il fait très, on va bien, oui, on va bien. Merci, Alors, oui, j'ai entendu. toi, tu avais eu On une a. expérience un peu étrange avec Florence Oui, par sur le rapport à ma live. maman, oui. Et tu m'avais dit, oh, j'aimerais bien revoir, compléter quelque chose avec elle, parler de ce qu'elle avait ressenti. Oui, Donc elle est là, elle t'écoute. oui Florence, oui effectivement ça m'avait, oui ça m'avait très touché cette, on essaie de régler le téléphone là, j'essaie de régler, Voilà. mais Ouais, comme mais on n'a pas d'ordinateur, ne t'embête pas, on vous entend très bien. bon, c'est parfait. Ouais, Florence, oui ça m'avait très touché, effectivement, c'est ce que ma maman a dit. La Et ressemblance. pardon, la ressemblance, oui, la ressemblance de. Alors là, on en a rediscuté avec, on en a reparlé avec Elisabeth, et ça nous a. Alors, je ne sais pas comment dire les mots. Perturbé. Oui, ça nous a perturbé. Oui, voilà, ça nous a perturbé, puisque comment dire, ma maman. Moi, je suis Me de Moselle. protège. Moi, je suis de Moselle. Et puis, Elisabeth, même si, donc, comme tu l'as dit, Florence, ressemble à ma maman, Elisabeth est d'un territoire qui est tout à fait autre, elle est du milieu de la France. Et ça nous a perturbé un peu. Oui, ça nous a perturbé Ouais. d'entendre cela. Oui. Morphologiquement, c'était très impressionnant aussi de voir cette photo et de voir ta femme. Et Oui. du coup, c'est vrai que même moi, j'avais pas réalisé sur le coup, mais en re-regardant, je dis, mais ah là là, mon Dieu, mais comment ça a été possible de faire cette similitude? Des fois, je pense que en fait, ça sort tellement comme ça, mais peut-être que c'est aussi le fait que ta femme, elle est là pour te soutenir aussi beaucoup. Oui, Je pense oui. que j'ai l'impression que ton état, c'est pas arrangé non plus. C'est pas trop le top en ce moment. Si? Pas compris là. Ton C'est état. pas trop le top dans la relation actuellement. Non, là. Non, 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 non. Là, au niveau santé, comme je sais que tu avais des petits soucis, je crois que
Il y a des hauts et des bas là, actuellement. Ah oui, mais on en avait parlé la dernière Oui. fois des Ouais. soucis de santé de Raymond et Oui. je suis là pour le soutenir et le Voilà. protéger. Je joue entre guillemets le rôle de Quelque part, oui. protectrice, d'accompagnatrice, Ouais. de soutien, de Oui, c'est vrai. ce qui est C'est. normal dans un couple, d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que de toute façon, après, moi, pour moi, je vais dire que l'âge n'a pas d'importance. Quand on s'aime, il n'y a pas d'âge. D'accord? Oui. C'est vrai que voilà. Mais là, en ce moment, est-ce que tu es au top de ta forme ou est-ce que c'est moyen? Elisabeth ou Non, moi? toi. Moi? Non, toi, toi, Moi? toi. Ben moi non, non, moi je ne le suis pas, puisqu'on Oui. peut on vit des moments difficiles parce que depuis le mois de mars, on va d'examen en examen et puis on va de surprise en surprise et ce n'est pas fini. Donc je ne sais pas, on va vers des pistes qui sont assez graves, on va dire ça comme ça, et on aura une réponse en août, et puis en août, on va nous dire bah, il va falloir faire encore une fois un autre examen pour avoir un autre élément d'autres éléments pour savoir ce que j'ai exactement. Enfin, on sait que ce sont Précisément. plus précisément des cancers, mais plus précisément ce qui est encore touché, puisque ça fait des années que je suis touché. Et visiblement, j'ai d'autres endroits du corps qui seraient touchés. Voilà, donc je peux pas être en pleine forme si je me pose la question, mais on essaie de vivre tous les deux. Elisabeth est d'un très grand soutien, puisque effectivement, quand moi je suis au creux de la vague, elle est là. Et oui, parce que C'est pas c'est un toujours état. facile, hein, Raymond, mais on dit toujours que le bonheur ne vient pas à ceux qui attendent assis. Oui, ben Voilà, oui, il c'est faut vrai. se Nous, on lever, n'est il faut pas. aller de l'avant, il faut faire des choses et il faut effectivement remercier ceux Oui. qui nous portent dans des moments difficiles parce que c'est pas toujours rose la vie, malheureusement. Non. Ça, on en sait quelque chose, Oui, oui. on en sait quelque chose. Alors, on a choisi justement, effectivement, on a choisi de ne pas rester assis. Moi, j'ai choisi de ne pas rester assis. Et Elisabeth aussi, depuis maintenant plus de 7 ans et demi, près de 7 ans et demi. Donc, on est tout le temps à voyager et puis à découvrir des choses et à partager les choses au travers de nos pages Facebook. C'est vrai, Et rien ne développe l'intelligence comme le voyage, tu vois. C'est quelque chose de oui, voilà. génial. C'est On magnifique même. découvre, voilà, on découvre tous les jours de choses nouvelles, comme aujourd'hui, au travers de notre voyage, de nos discussions avec des gens que l'on rencontre. Et donc ça fait tenir debout. Et puis, bah, Elisabeth est là pour aussi me maintenir. C'est vrai, pour me tenir. Et ça, c'est vrai. Elle est à mes Alors, côtés. C'est ce que pas. ressent Florence, Oui. elle sent que tu es fatigué, effectivement. Moi, je dis toujours positive attitude dans notre énergie de santé. C'est difficile de parler de santé à l'antenne et Ouais. je préfère qu'on voit ça en privé. C'est C'est vrai que ça. c'est mieux. Après, vous en parlez, c'est bien. Merci les enfants. Et on comprend que c'est quelque chose d'intime, mais merci en tout cas de ton courage parce que voilà, il y a des gens qui se battent aujourd'hui, il y a des milliers sur Terre face à cette maladie et c'est pas C'est parce facile à qu'en fait, vivre. je ressentais comme un coup de barre, en fait. C'est pour ça que j'en ai parlé. Ce coup de barre qui est là, tu sais, ça fait comme un coup de barre de milieu de journée, là. Bam! Tu vois, ça, Tu as pris une sa fatigue, fatigue tu veux assez. dire. Ah ben, ça veut dire que tu lui as donné ton énergie. Hein. C'est vrai, on peut voir comme ça hein, les choses. Hein. Mais en tout cas, moi, je suis assez optimiste dans le sens où je regarde dans mes cartes pendant que Raymond parlait. Et j'ai quand même. Bon, il y aura une période de pause, il va falloir vraiment te poser. Mais après, ça va aller. Voilà, hein, il faut parler à ses cellules, il paraît. Je ne sais pas s'ils sont d'accord dans le chat. Alors Raymond, bouge pas. On va te reprendre. On va peut-être répondre à Brian, qui, lui, nous pose une question. Et ensuite, on en greffera une autre. Vous restez Oui, avec nous, bah, Raymond? oui. Il n'y a pas de Hein? souci, oui. Je vous mets en Merci, attente deux Florence. secondes. De Et on rien. attend notre ami Bisous de Gauthier. Je ne nous. sais pas où elle est. Non, reviens. Tu vas revenir à l'antenne. Reste avec nous.
On va aller répondre à Brian. Donc, il demande, est-ce qu'il va obtenir une proposition pour son école? Et sa date de naissance, c'est le 5, le 4 et le 1997. Par contre, moi, il me faudrait trois chiffres s'il veut bien me les mettre dans le chat de 1 à 10, ce qu'il veut. Tout le monde dit courage, bravo Raymond. Merci Raymond, on va le retrouver Raymond. Hein. Pardon Florence. Tu as quelque chose, toi, Florence? Alors, je vois qu'il y a quand même un certain équilibre qui est là. Et j'ai la carte du travail aussi. Donc, je pense que pour pouvoir y arriver, il va falloir vraiment fournir un très gros travail. Non, c'est vrai Il y a que. du boulot encore pour Ouais, obtenir il y a un ce. petit peu de boulot, ouais. Ouais. Faut tenir la barre. Moi, il me Faut donne tenir le le cap. 1, le 5 et le 7, hein, c'est ça. Ouais. On va le laisser nous répondre dans le chat et après, on va prendre une autre question. Comme ça évite qu'on remonte. Parce que... Alors, je garde la 1, 2, 3, 4 et 5, je garde. 6 et 7, je garde. Donc, toi, tu disais, Florence, excuse-moi. De toute façon, il y a aussi la carte de la réussite qui est là et celle du changement. Donc, je pense qu'il va très largement réussir quand même à en fournissant du travail, à entrer dans cette école d'orthophonie. Je regarde le mot parce que des fois, Donc pour toi, les cartes sont bonnes, c'est ça, hein? Oui. La condition de ne pas lâcher le morceau. On ne lâche pas le morceau. Alors, moi, j'ai sorti trois cartes pour lui. Et il y a quand même trois cartes plutôt positives en couleur, parce que c'est beaucoup des couleurs rouges. Donc le rouge dans la cartomancie, c'est très positif. Le cœur encore plus. Ah, le pixel, hein, on les verra pas peut-être. Ah, voilà. Donc je le sens un petit peu comme un ermite en ce moment. Il se replie carrément sur lui. Je sais pas si il peut me mettre oui ou non à chaque fois que je pose une question. Ben, je pense qu'il est un peu méfiant, parce que Oui. là, Je sens quand il y a de la même une espèce méfiance. de solitude. Il s'empêche de vivre, ce garçon. Une petite dualité, peut-être émotionnelle, qui fait que... Je sais pas. Si vous êtes embêté dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire, qu'on bannisse ces gens. Celui-là, déjà, on va le bloquer, comme ça c'est fait, excuse-moi. Oui, moi j'ai quand même cette. Alors, je ne sais pas s'il répond. Où est-ce qu'il est, notre ami Brian? Brian, est-ce que vous êtes là? How are you? Very well, thanks. Si les gens ne sont pas gentils, on bloque. Hein. Après, je pense que jusqu'à maintenant, il a eu la force d'exercer d'aller jusqu'à cette réussite. Donc, c'est vraiment comme si c'était la dernière ligne droite. Et il faut pas qu'il change de cap, en fait. Il faut pas, voilà, qu'il relâche tous les efforts qu'il a fournis. Il faut pas qu'il les relâche. On le remet de côté parce que... Ouais. Ah bah si, il est là. Ah. Ermite en ce moment. Alors attends, on va greffer son message. Merci d'avoir répondu. Donc effectivement, il est bien ermite en ce moment un peu, mais il reste quand même assez persévérant dans ce qu'il veut. J'avais une autre question à lui poser. Est-ce qu'il doit passer un espèce de certificat de capacité là? Est-ce qu'il a un certificat à passer avant de parler de boulot? S'il me répond juste oui sur le chat, hein, ou non, c'est plus simple, hein, peut-être. Hein. Et pour les autres questions, attendez qu'on réponde à Brian. Parce que sinon, on ne les retrouvera pas, elles vont monter et vous allez devoir les reposer. Stop question. Ou carton rouge. Bonsoir, Marie. Je pense que oui, ça le préoccupe, ça lui le préoccupe ses journées, tout ça, de savoir s'il va être, parce qu'il est sur liste d'attente, mais savoir si enfin il va avoir une place.
Je pense que c'est sa très grande préoccupation. Moi, j'ai quelque chose qui me gêne parce que j'ai l'impression. Bon, c'est dommage qu'il veut pas venir en son. S'il veut monter en son, on peut lui parler. Brian, est-ce que tu veux nous rejoindre sur le live en son? Allô? Alors, attends, il y a un message de lui, je le greffe. Voilà. Alors. Voilà. OK. Donc là, tu as eu ton certificat, tu as eu ton certificat de capacité, je ne sais pas si on peut appeler ça. Non, comme ça. En fait, c'est un concours d'entrée dans l'école, mais sauf qu'il y a tellement de monde qu'il est sur liste d'attente. Donc, il va venir sur le live, il nous dit. Hein. Bon, c'est pas grave, on va essayer de te contacter comme ça. Je pense que bon, moi, j'ai la carte d'abondance. Hein. J'ai la carte d'abondance quand même, donc c'est la réussite par rapport à ce qu'il veut faire. Hein, et c'est tout peur avec lui. Par contre, j'ai l'impression qu'on lui met des bâtons dans les roues. J'ai comme quelque chose qui bloque. C'est possible qu'il va être obligé de déménager. C'est peut-être ça le blocage. Est-ce que tu as eu une proposition, mais peut-être dans un autre département, je ne sais pas. Ou est-ce que tu t'es orienté vers un autre département là pour et tu dois déménager? Est-ce que c'est plutôt au sujet d'une femme qui ne voudrait pas que ça soit trop long non plus? Non, parce qu'il y a quand même cette solitude, tu vois, qui est là, qui pèse. Ouais, mais ah, après, aussi, après là, ça peut être quelqu'un de proche de lui, ouais, effectivement. J'ai dit une femme, donc c'est vrai que ça englobe beaucoup de monde, qui peut-être ne croirait pas en lui. C'est plutôt ça. Il n'est pas encouragé, il a sa juste valeur. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me dit? Effectivement, l'école en question impose un déménagement. Moi, je le vois, ce déménagement. Mais c'est un problème. Alors, Florence nous dit que c'est peut-être à cause d'une copine ou d'une femme qui… C'est-à-dire que toi, tu n'es pas encore prêt dans ta tête à bouger, je ne sais pas. Bah, lui, oui, mais peut-être que la personne en question ne veut peut-être pas le voir s'éloigner de trop. Ouais. Plutôt ça. Moi, j'ai le signe du bélier qui me perturbe, mais je ne sais pas pourquoi le signe du bélier. Donc, c'est Mars. Ouais, c'est avril, mars, avril. Avril, ouais, et fin mars, début avril. Bon, en tout cas, la carte d'abondance, moi, me dit que c'est OK pour lui. Hein, il va déménager, il va bouger. Hein. J'ai la carte de la réussite, donc ouais. C'est qui sort de sa grotte, là, parce que je le sens comme un ermite, là, enfermé dans sa grotte. Donc, s'il peut nous faire une petite conclusion par un message dans le chat, parce qu'il n'est pas venu à l'antenne pour nous dire ce qu'il ressent de cette consultation. Puis, on passe à quelqu'un d'autre, si vous voulez. Il est bélier. Il est bélier. Ah, c'est toi qui es bélier, d'accord. OK. Moi, j'ai vraiment quelque chose de positif pour toi, hein, franchement, hein, Brian. Vas-y, hein, fonce. Il n'y a aucun souci. Là, les cartes sont avec toi. Hein. Exactement. Et il ne va pas tarder à recevoir la nouvelle. Hein. Ça va aller vite. Hein. Je pense que la nouvelle ne va pas tomber dans très, très longtemps. Hein. C'est bizarre parce que dans ma tête, je vois travailler avec un kiné dans le futur. Il va s'associer avec un kiné. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, il va créer quelque chose. Bah, on va finir avec toi, Brian, hein, peut-être. Bonsoir, Cédric. Salut, Kevin, le sage. Je vous lis en même temps. Hein. Alors, je vais mettre le message de Brian parce qu'on lui répondait à lui. Ouais, bah, sors de ta grotte, hein, fais tes valises, hein, mon garçon. Ça va aller. Positive attitude, on va de l'avant. Oui. Et comme on dit, yala yala. Merci à toi pour ta question. Peut-être plus tard, on va répondre à quelqu'un d'autre, si tu veux, Florence. Non. Vas-y, vas-y. Parce que là, Josie, elle nous a lâché. Je ne sais pas où est le petit colibri. Ils sont tous en train de faire la chouille ce soir. Bah, en tout cas, ce n'est pas prévu. Hein. Vous avez vu, le live n'était pas prévu. Hein. C'est vrai. Ah oui. Ah, voilà. On s'ennuyait de vous un petit peu ce soir. C'est live voyance. Et vous pouvez
pouvez poser vos questions à Florence Fleudiomnité sur YouTube aussi le mardi, hein, n'oubliez pas. C'est vrai, c'est chez toi, un petit peu chez toi, un peu chez nous. Voilà, c'est ça, on partage. On essaie de vivre des expériences et des ressentis avec des gens. Alors, des fois, on se plante parce que… Oui. Mais le tout, c'est de le reconnaître. Ouais. C'est de reconnaître qu'on peut se tromper. Parce que je le dis souvent, on est humain. Et quand on se trompe, bah, ça fait aussi partie de la vie. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours, forcément réponse… dans l'immédiat, à certaines questions. Moi, je crois toujours à mes rêves parce que, dans les rêves, il y a toujours une porte qui nous emmène vers l'éternité. Pareil. Bon. Alors, on va prendre une autre question. Merci, te dit Brian aussi, Florence. Oui, bah, de rien. Parce que j'étais en train de lire la phrase de Raymond, alors, c'est pour ça. On va reprendre Raymond après, il nous a quittés, mais il va revenir. Il n'y a pas de souci, Raymond. Qui c'est qu'on prend maintenant? Allez, on va prendre une autre question. Il y a Marie-Ange. Allez, on va prendre une dame. Marie-Ange. Alors, c'est son numéro de téléphone parce que… Ah non, elle est née en 88, pardon. Une année un peu bizarre pour moi. Hein. Oula! Je ne vous dis pas, il ne faut pas que ça inspire ses cartes. Hein. Alors, Marie, alors sa question, tu veux la lire pour ceux qui ne savent pas lire. Bonsoir Marie-Ange, Maxime, il m'a fait un signe aujourd'hui en likant une de mes photos. Dois-je à mon tour lui faire un signe? On est en non-communication et je ne sais plus comment réagir avec lui. Merci beaucoup. Quoi son petit nom, Marie-Ange? C'est Maxime, le monsieur. Ah, c'est Maxime. Il y a la date de naissance aussi. Maxime. De Maxime. Et OK. Et par contre, moi, il me faudrait 3 chiffres dans le chat, si possible. Et on arrête les questions parce qu'on répond à Marie. Marie-Ange. Marie-Ange. Dès que j'ai mes questions, je regarde mes chiffres, pardon. Salut Daniel, bienvenue sur le live. Merci Elodie. On va prendre ta question après, mais… Pour l'instant, on bloque les questions pour se concentrer sur Marie-Ange qui va pouvoir nous répondre dans le chat. Et après, ce sera votre tour, il n'y a pas de problème, on va essayer de faire vite. Salut Steph, bienvenue sur le live de YouTube. Merci à tous quoi, d'être là. Alors, moi, je n'ai pas mes chiffres. Marie-Ange, il me faut 3 chiffres de 1 à 10, s'il te plaît. Ah, elle va nous les mettre, les chiffres, Marie-Ange. Moi, j'ai quand même une question pour Marie-Ange. Est-ce que c'est une personne qu'elle connaissait ou c'est un inconnu qui est venu liker sa… Enfin, ah oui. Quelqu'un de moins proche que ça, quoi. Moi, je veux des chiffres. Donnez-moi les chiffres. Ah, ça y est, je les ai. Elle m'a mis le 7, le 3 et le 4. D'accord. Merci, Marie-Ange. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu hasardeux, là. J'ai juste ce ressenti-là. 1, 2, 3, je garde. 4, 5, 6, 7, les autres, je les jette. Moi, j'ai peut-être une réponse, je ne sais pas. Les oracles. J'entends un perroquet, c'est sympa, hein. Oui, c'est le mien. Ouais. S'exprime. On est en vacances. c'est le perroquet des tropiques. Moi, je suis embêtée parce que je vois 2 hommes dans sa vie, là, Marie-Ange. C'est pour ça que je lui demandais si elle le connaissait. Moi, j'ai 2 mecs dans sa vie, là. Il y en a un qui est un peu plus âgé, un peu plus mûr, voilà. Est-ce qu'elle peut me répondre si elle veut? Alors, attends, on a une réponse de Marie-Ange, je la greffe. Donc, c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis 19 ans. C'est 19 ans. Et il se recose d'accord. Depuis quelques temps. Quoi. Alors, ouais, parce que moi, j'en vois deux. Je vois un d'âge mûr et puis ce petit Maxime. Ouais, Maxime, ouais, peut-être. C'est, je pense, une personne qui a aussi été d'un soutien. Alors, attends, il a un message.
D'accord, elle vit encore avec son ex-conjoint. Donc vous, là, actuellement, tu es dans une période de transition. C'est vrai qu'on a la balance, donc il y a peut-être une procédure ou des choses à régler par rapport à la loi. Effectivement, elles sont loi, tu les as mis sur le Grand Lenormand. Et puis c'est bizarre, il y a un côté artistique chez cette fille qui ressort dans mon jeu. Elle a un don, elle a quelque chose. Est-ce qu'elle fait de la peinture ou est-ce qu'elle a un don artistique? Alors, moi j'ai la carte de l'ésotérisme aussi, hein. J'ai pas. Ah, tu veux Voilà. dire un don de voyance? Non, je la vois Non, mais quand même plutôt. créatrice. Ouais, Oui, c'est ça. Mais plutôt elle va créer quelque chose. mystérieuse. C'est une personne mystérieuse quand même. Ouais. Comme toutes les femmes. Oh, dis donc. Attends, je vais me mettre un carton rouge pour me... Qu'est-ce Oh, bah oui, allez, allez, tiens. Je vais arrêter un peu de faire le bordel, là. C'est pas possible. Alors, moi, j'ai quand même eu Attends, on verra à un la fin de la livre. soirée si tu vas pas t'en prendre. Yo, bah dis Hein. donc, je suis toujours sage, moi, dis donc. Donc, alors, on a une question de Marie-Ange, Ouais. Marie-Ange, Marie-Ange. J'ai la carte de la rencontre qui est sortie. Donc, pourquoi pas rencontrer cette personne. Mais je pense qu'il faudra quand même y aller par étapes dans le sens où. Je pense que Ah, elle dit qu'elle a son. fait un peu de voyance, hein, de cartomancie, hein, quand même. Voilà. Ouais. Donc, Alors, elle a un don, elle a quelque chose, hein, cette son fille. ex-conjoint, je pense qu'il est très, très jaloux. Et je pense qu'il est plutôt dans le contrôle de qui elle voit, qui. Tu vois, c'est comme ça un peu que Ouais, tu le sens je le perçois. qu'elle est épiée, quoi. Voilà. Moi, j'ai quand même les cartes de la justice, elles sont là, les choses sont Oui. établies. Pour l'instant, elle regarde ce qui se passe et elle est prisonnière, peut-être d'une vente ou de quelque chose. Est-ce qu'il, ce Maxime, la soutient moralement Ah, par peut-être. papotage, par message, trucs comme ça? Le mieux, c'est qu'elle vienne à l'antenne en micro. Peut-être, je vais mettre le lien dans le chat si elle veut monter en micro. À coller dans Google, tout simplement, c'est plus simple. Hein. Pas obligé de venir en caméra. Ouais. Flo-Flo a dit peut-être qu'elle a encore des sentiments pour son ex. Non, pas Voilà. Salut sentiment. Magali! Pas sentiment. C'est plutôt, tu sais, c'est quand quelqu'un essaye de te contrôler et il te contrôle même quand c'est fini. Je veux dire, il essaye du moins, il Ah, il aurait une essaye. emprise sur Une lui. emprise, Sur elle. une certaine emprise sur elle. Ouais. Et donc, quelque part, moralement, elle est quand même soutenue par cette personne qui. Moi, je la sens quand même avec beaucoup d'intuition, quand même. Et pour l'instant, elle est prisonnière un petit peu de la situation. Il faut que ça se décante, Ouais. que justice passe, comme on dit, et que elle trouve son chemin. Le fait que, pour l'instant, sa question, c'est est-ce que ça peut coller avec Maxime, et est-ce que pourquoi pas? Mais je pense que c'est pas le moment pour elle. Elle doit déjà régler d'autres choses. On verra plus tard. Elle a Il y a moyen. répondu. Elle est jalouse, très jalouse, très beaucoup de jalousie, ouais. Ouais, peut-être qu'il a reçu des menaces hein, de la part de ton ex. Peut-être aussi. Je pense Moi, je qu'il pense que a. c'est pas le moment. Il faut qu'elle coupe déjà avec cet Ouais. ex, et après, ça marchera super bien, peut-être avec, parce qu'on a des bonnes cartes, hein. Ouais. Moi, j'ai du Exactement. Il y cœur, hein, a tu moi, j'ai vois. il y a la réussite, il y a la rencontre. Mais bon, tant Donc on que. répond oui à la question. Voilà. Hein, on peut dire ça. Pour Voilà. moi, On va oui. passer à une autre. Merci Oui. Marie. Marie, merci. Désolé, ben, on peut pas s'étendre parce qu'il y a du monde derrière et je sais que vous êtes nombreux ce soir à vouloir une réponse de Florence. Donc on y va. Allez, une autre question. Oui, puis j'ai une petite enveloppe. Si vous découvrez ce qu'il y a dedans. Que ça représente, peut-être que vous allez recevoir ce qu'il y a dedans par la poste. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez recevoir ce qu'il y a par la poste. Alors je la frotte un peu. Voilà, il y a une image, il y a quelque chose à l'intérieur de cette enveloppe. J'essaie de deviner. Vous l'écrirez tout à l'heure dans le chat. On verra qui a trouvé et qui va le recevoir. En tout cas, voilà, on peut pas étendre, hein, Florence.
Hein, on essaye de faire plaisir. Et on va peut-être prendre une autre question. Alors, on va prendre Monique au hasard. Voilà. Alors, Monique, qui est née en 60. Alors, voilà. J'ai pas trois chiffres. Monique, s'il vous plaît. Amandine, elle veut 50 euros pour une consultation. Non, c'est gratuit ce soir, Amandine. Désolée. De toute façon, c'est toujours gratuit. Une enveloppe de 500 pour Cédric dans l'enveloppe. Mais celui qui trouve ce qu'il y a dans l'enveloppe, Florence. C'est une médaille. Je ne sais pas. Et toi, tu n'as pas le droit de jouer de toute façon. Ah bon? Oh mince. Bah non. En plus, j'étais même pas là. C'est quelque chose qui protégera cette personne, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, D'accord. j'espère. Hein, pour ceux qui ont déjà reçu des petits cadeaux de Bon, fréquence, alors, ça c'est en général. je te dirai ma réponse juste avant que tu dévoiles la tienne, Non, d'accord? mais là, on est en train de répondre à Monique, s'il vous plaît. Ne Oui. mettez pas votre réponse encore dans le chat. Après, on vous posera la question un petit peu plus tard. Vous nous mettrez la réponse. Comme ça, vous restez un petit peu avec nous aussi, hein, en même temps. Et à ce moment-là, on verra qui a trouvé ce qu'il y a. Mais il y a déjà des indices qui sont pas mal dans le chat. Ouais. Alors, donc, tu as ressenti quelque chose pour Monique, là? Elle est là? Alors, c'est assez complexe. Bah, elle se sent pas bien dans sa maison. Après, c'est vraiment un peu plus compliqué là. Tu vois, quand il s'agit d'un objet ou autre, ça reste complexe. Est-ce que elle sait s'il y a... J'ai l'impression que c'est... C'est une vieille une demeure. On a l'impression que c'est... Tu sais, ce que je sens, ça sent ouais, le vieux, quelque chose d'ancien. Ouais, j'ai plutôt ça. D'accord. Comme ressenti, enfin. Mais il y a quelque chose avec Attends, on va. Monique, répondez sur le chat si vous voulez quand on vous parle, par oui ou non. Hein. Moi, ce qui est bizarre, je vois un décès, je vois quelque chose de la brutal. Il y a des gens qui pleurent, des gens qui se font la gueule. Ça m'énerve fusillé. ce jeu qu'elle m'a donné là. Est-ce qu'il y a quelqu'un de décédé au fusil, en fait? Peut-être une arme, ouais. Je veux dire plutôt larmes. Bah Monique, elle est là, mais elle leur donne des chiffres. Elle a déjà fait venir quelqu'un dans cette maison. Il y a un esprit qui a reposté les chiffres. La médaille de Saint-Benoît pour Daisy, non, Daisy, peut-être. Un homme s'est pendu dans le garage. Ouais. Mais je sais pas, moi je vois ce décès, ouais, quelque chose de brutal, de la famille qui s'engueule, les gens qui se tirent la gueule. Suite à une Ouais, vous séparation. n'êtes pas tout seul dans cette maison, hein. Oui, il faut partir de là, il faut la vendre. Oui. C'est une maison qui attire que les problèmes, de toute façon. Vous êtes pas, moi, je ne vous vois pas bien. Elle est bien, c'est une belle maison. On peut penser qu'on y est bien, mais c'est un peu comme si tu achètes Amityville, quoi, tu vois, le truc. Hein. Bon, alors moi, je pense que faut pas. Non, On peut pas rester. trouver un autre petit bonheur ailleurs. Voilà. Et tu vois, je te disais, ça sentait. Le monsieur s'est pendu dans le garage. En général, c'est le lieu où ça sent super, enfin, l'humidité. C'est ce Ouais, que ça je sent. ressentais. Ouais. Mais la mort brutale de ce pendu dans cette maison, elle est là. Donc, avec l'as de cœur qu'elle a sorti, qu'elle est la maison, l'endroit. Moi, je pense qu'elle a rien à perdre de passer à autre chose. Et de toute façon, si elle le fait pas, je sens qu'elle va se dégrader au niveau de sa santé. Elle le sait. Elle répond oui, elle répond Ouais. non. On va la laisser répondre, si vous voulez, Monique, pour Elle a passer à une autre marqué OK, question. merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Elle a marqué en bas. J'ai vu ça de Monique, je l'ai appris il n'y a En pas bas, tout en longtemps. bas, le dernier. Alors attends, ouais, ben moi ça affiche pas. Ah oui, ok. D'accord. Ouais.
Il faut pas qu'elle reste à partir du moment où j'ai acheté il y a un an. Je pense que Non, moi, c'est enfin, pour moi, c'est un beau bien, ouais. mais dès le départ, elle a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, elle ne va pas y rester, elle est de passage. Il faut simplement qu'elle demande à cette entité qui est chez elle, parce qu'à mon avis, elle n'est pas toute seule. J'aimerais bien qu'elle vienne à l'antenne nous parler, si elle veut. Je remets le lien dans le chat. Pour ceux qui veulent monter à l'antenne, c'est plus simple avec le son. Ouais. Elle doit ressentir des choses. Est-ce que vous avez ressenti des présences dans cette maison? Tu as eu des réponses pour ton énigme, Laurent, juste au-dessus aussi. Oui, mais bon, pour l'instant, on les garde, comme ça, ils restent avec nous. Ils remettront la réponse tout à l'heure, dans pas longtemps, hein. On a D'accord. déjà 1 heure d'antenne, déjà, là. Ouh là 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 là. Alors, elle marque que oui, c'est ça, je le sais depuis le début. D'accord. Donc, avant d'acheter, donc elle savait déjà, Qu'il fallait pas acheter. ouais. Oui, il y a beaucoup de présence dans la maison. Il n'y a pas de problème, hein, je les sens, hein, elles sont là, hein. Elle a habité cette maison, ouais. Je pense Mais qu'effectivement, il y a est-ce un que dans le cette maison... garage, mais il y en a un qui occupe peut-être la cuisine. Beaucoup. Sais pas pourquoi, la cuisine. Moi, je pense qu'elle se fait vampiriser et depuis qu'elle y est, elle perd ses forces tous les jours, elle le sent. Et il y a une partie d'elle qui aime cette maison, qui est contente d'avoir acheté cette maison, et l'autre partie qui dit, il faut que je parte de là, je vais m'épuiser. Et on a une réponse. Ouais. Si on n'a pas le choix de faire les choses, voilà. Mais bon, pas de regret, on va conclure peut-être là-dessus. Florence, Ouais, elle va la oui, parce que quitter. après, bon, Hein? la solution, c'est de leur dire que voilà, elle est chez elle, de bien leur montrer que c'est elle la nouvelle occupante de cette maison et qu'il faut qu'ils le comprennent, qu'ils l'assimilent Moi, je dirais aussi. plutôt la maison de paille où on rit et vaut mieux qu'un palais où on pleure. Voilà, donc quitter cette maison. Voilà. Ah, Aller Marc, il y dans a une beaucoup de maison monde de dans la paille. cuisine. Tu vois, j'ai bien dit qu'il y Merci. avait un bout du monde. Il y a du Bon, monde dans la cuisine et elle le le lien est dans marque. le chat. Si elle veut venir, elle peut monter à l'antenne. Oui, il Si n'y a vous pas de voulez souci. venir, je l'ai posté. Hein. Ou la modération le reposte s'ils peuvent. Mais on prend une autre question. On remercie Ouais. Monique. Merci Ouais. Monique. Pam, pam. J'aime pas parce que on aimerait passer plus de temps avec eux, mais il y en Eh a plein oui. qui veulent poser des questions. Alors allez-y, vous pouvez poser vos questions, on va en prendre une au hasard. C'est la roue qui tourne. Lolo et Floflo. Alors, sur fréquence. Pour vous répondre en direct ce soir, un peu entre amis, là. On est dans l'intimité même. Mon Dieu. Alors, qui va-t-on prendre? Allez, on va prendre. Là, il y a déjà eu une question, Patrice, Marie, là. Non, vous n'êtes pas gentil. Vous êtes mis hors jeu pour l'instant, mais on a Magali qui a posé une question. Voilà. Allez, gardons Magali. Magali. Ah oui, c'est une question générale, Magali, là. Est-ce que tu Ouais. vois quelque chose pour moi? Ouais, tu vas gagner au loto demain, hein, Magali. Non, je plaisante. Oh, peu cher. Bon, alors, Magali, il faut une question. Je sais pas, est-ce que tu voyais quelque chose pour moi dans les amours, dans le travail, par rapport à Qu'elle a ma décidé de faire vie? un achat? Ah, c'est pour le boulot, d'accord. Ça y est, elle a répondu. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour moi pour le boulot? Il faut donner 3 chiffres, s'il vous plaît. De 1 à 10, et je regrette le message pour toi, et il te faut la date de naissance. Aïe, 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 aïe. On va y arriver, hein. Et nous, il faut qu'on se concentre en plus de ça, tu vois. En plus, moi qui fais le perroquet. Papagallo. C'est ma grand-mère qui m'appelait comme ça. Je ne veux pas changer à mon âge. Hein. Mais bon, alors, donc c'est pour le boulot. On est bien d'accord, Magali. Alors, la date de naissance, le 7-4-2000. Le C'est pour un K2000, c'était changement. une voiture, ça. C'est pour K2000, un vous avez vu? changement de travail. Je ne sais pas, elle demande pour le boulot. Voilà, et elle m'a donné 3 chiffres. Stop les questions et les chiffres. Pour l'instant, on répond à Magali. Merci. Je vais faire un petit jingle comme ça. Ce sera plus facile. 3, 7 et 5 pour les chiffres. Bon, vibration travail.
Est-ce que c'est parce qu'actuellement elle est à un poste et qu'elle voudrait carrément changer ou pas? Alors, comptez-vous changer de travail? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai? C'est bizarre. C'est comme si elle était en guerre avec son travail actuel. C'est. Bizarre, bizarre pour moi. Elle Une commence vendeuse lundi polyvalente. normalement en tant que vendeuse polyvalente. Je crois Pour des qu'elle y choses. va à regret. On a l'impression qu'elle y va, mais bon, c'était pas. Pour toi, c'est pas bon. Bah, si tu veux, j'ai l'impression que oui, elle y va peut-être à contre-cœur dans ce travail-là, parce que c'était peut-être pas le poste recherché. C'était pas au départ, mais ce travail est nécessaire. Et du coup, on a. Oui, cette appréhension de commencer ce travail. Alors, je pense qu'elle a, ouais, elle appréhende ce petit changement de travail. Tu veux dire que ça lui fait peur? Ouais. Est-ce que ça vous fait peur, Magali? Magali, est-ce que ça vous fait peur de démarrer ce nouveau boulot? Répondez à Florence, s'il vous plaît, merci. C'est exactement cela. Elle n'a pas envie d'y aller. Moi, j'ai vraiment des cartes bizarres. Je sens quand même quelque chose de très. Quelque chose de quand même assez hypocrite, je ne sais pas, quelque chose qui me Ouais, gêne. mais j'ai l'impression que c'est l'ancien travail qu'elle occupait, qu'il y a eu quelque chose de Un abus de des échanges confiance, comme... houleux, des échanges ouais, houleux tromperie, avec un peut-être sa hiérarchie. abus. Et du coup, c'était un travail qu'elle aimait bien, mais finalement, elle s'est rendue compte que on l'a. Comment on dit ce mot? On la considérait pas, Moi, en fait. je vois plein de contraintes dans ce boulot. Je ne sais pas si elle va me répondre oui ou non par rapport à ce que j'ai devant moi. Je la vois se déplacer. Elle va devoir faire de la route. C'est jamais au même endroit. Jamais les mêmes personnes avec qui on traite. Tu vois, c'est un truc de dingue. Et je la vois piétiner. Bon, je sais pas. Ça me fait penser à comme Ah. si elle allait bosser dans des hypermarchés ou des trucs comme ça, dans les rayons. C'est un travail VDI. Je ne sais pas comment on appelle ça, moi. Je... Vente directe. On m'a pris pour une conne. Alors, vous avez dit Ah. un gros mot, on va être censuré là. Non, mais ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Elle a eu, peut-être affaire à la médiation, pas directement la justice, mais un arrangement a été trouvé, peut-être. C'est peut-être ça le nœud qui fait qu'on. Mais c'est quand même bizarre parce que j'ai une image quand je pense à sa date de naissance et à ce qu'elle me donne comme chiffre. On me parle, on me montre comme si elle allait passer un concours d'État. Alors, je ne sais pas si elle avait programmé ça dans sa tête ou si elle y pense pour être fonctionnaire. Il y a quelque chose qui me parle de ce côté-là pour elle. Je ne sais pas pourquoi. Donc je lui dis. Voilà. Elle Quand je ne travaille dans sais la pas, petite je dis. Hein, enfance. voilà. Je ne sais pas. Elle était à SEM. Et pour moi, ça serait très bon pour elle. Ouais. Après, il faut qu'elle ait confiance en elle. J'ai l'impression qu'elle a plus confiance en elle. Est-ce que vous pouvez nous répondre, si vous voulez, Magali? Comme ça, on passe à une autre question. Esprit, es-tu là? Si tu es là, tape trois coups sur fréquence. En tout cas, oui, on voit bien que, bien sûr, ça va se faire, mais c'est à contre-cœur qu'elle va dans ce nouveau travail, de toute façon. C'est vraiment, voilà, ce que j'en avais ressenti. Bon, après, on fait un petit ressenti par rapport à des questions qui sont dans un chat, c'est pas facile. Oui. Et en plus, on n'a pas les réponses à nos questions. Je pleure.
Oh, t'es gentil, Cédric. T'as lu ce qu'il a écrit là? Tu n'as plus Oui. confiance. Oh, j'ai pleuré. Une, deux, trois. Voilà notre ami Gérard qui est revenu. Alors, Alou, mais c'est vraiment cela. J'ai plus confiance. Je vais travailler car j'ai pas le choix. Mais vous avez... Dit autre chose de vrai. D'accord. Très bien. Bon, ben moi j'ai quand même un autre chemin. Pour l'instant, si elle a que ça, parce qu'il faut manger, hein, elle va Oui. y aller, mais elle va pas y rester. Donc, bah, qu'elle prenne ce qu'il y a à prendre. Voilà, hein, je sais pas ce que t'en penses, Florence. Et pour l'instant, oui, c'est du secours. C'est juste secours. Mais je pense que ouais, maintenant elle va se méfier avant de faire confiance aux gens. De toute façon. Bah, c'est vrai que la liberté, elle a un prix, hein, et elle coûte très cher même. Donc c'est où on se résigne. Elle marque que oui, c'est Voilà. en attendant de trouver mieux. Donc Où on ouais, paye le prix effectivement. qu'il faut payer, quoi. C'est Ouais, ça. mais la patience, c'est l'arme des sages. Donc Magali, sois patiente, prends ce que tu as. Par contre, tu ne m'as pas répondu par rapport à ce ressenti de concours que j'avais pour toi, mais je ne sais pas si tu as eu l'info. C'est difficile quand on attend la réponse dans le chat. En plus, sur YouTube, vos questions et les commentaires arrivent avec du retard. Eh ben, on va aller chercher une autre Magali, question. Magali, en fait, Laurent se demandait si il n'y avait pas en prévision un concours d'État que tu voudrais passer ou que que tu envisageais de passer. Voilà. Non, c'est vrai que Bon, ben c'est on va lire parfois de la faire mieux. réponse et Ouais. on vous remercie quand même, Magali, d'accepter notre ressenti, même si on peut se tromper. Allons-y, on vous dit ce qu'on ressent. Voilà. Hein. C'est pour nous. Ah, il voulait être gendarme. Eh bien, il faut reprendre. Elle n'a Il faut pas été re jusqu'au bout. eh bien, repars dans ton concours, là, s'il te plaît. Va au bout des choses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Alors, si on a l'espoir, on peut tout faire, on peut réussir. Et c'est pas parce que tu n'as pas été au bout des choses une fois que tu ne peux pas y aller une deuxième fois si c'est quelque chose qui est fait pour toi. Vas-y, moi, je te vois fonctionnaire, je te l'ai dit. Voilà, merci. Alors, on a une autre question qui est là sur le live. Y a, après, on va boire un coup quand même. Hein. Merci de ne pas poser de questions parce qu'on va répondre à Astrid. Et on revient vers vous, on va en faire encore une ou deux. Hein. Vous êtes nombreux ce soir pour la soirée voyance. Merci. Alors, petite C'est pour question le pour petit son Vivian, fils. ouais. Alors, ces chiffres, c'est 738 pour moi, mais une date de naissance peut-être pour toi dans le chat. Il y a 738. Mes cartes. la date de naissance, c'est le 11 avril 2001. C'est D'accord. marqué dans l'intitulé. 11 2001. Et on demande l'autorisation à notre Père Esprit de se connecter à nos guides pour nous répondre. Pour vous, ce soir, c'est un plaisir en tout cas. Alors, 7, 1, 2, 3, on avait dit aussi. Hein. 7, 3, 8. Hein. Franchement, il faudrait falloir aller jouer au loto, ces chiffres. Donc, 3. 4, 5, 6, 7, 8, les autres je jette. Voilà. Est-ce qu'il a pris conscience de quelque chose est-ce qu'il a pris conscience de l'importance que ça pouvait avoir? Voilà, on va dire ça comme ça. Peut-être que quelque part, il a mûri. Mûrir, mûrir.
Moi, j'ai des images quand même bizarres pour votre fils. Je vois plus uniforme, ça me fait plus penser aux soldats, quoi, à l'armée. Donc, je Marin. ne sais pas si. Oui, il y a de l'eau, hein, et tu dis marin. Regarde ce que j'ai, Florence, regarde. Ah mon Dieu, tu vois. Tu vois? Mais je vois plus là. Je vois plus porter un uniforme militaire. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui lui parle? Est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il ne faut pas le pousser à y aller, hein? Je connais le début de ton histoire. Je connais. Ouh là là. Mon Dieu. Est-ce que je connais le début de son histoire? Mince. J'ai pas de souvenir là pour le coup. Là, j'ai Alzheimer. Ouais. Elle dit pas Non. du tout militaire. Ouais. Je vois, mais c'est vrai que j'ai vu de l'eau. Mais Alors du coup, j'ai dit j'ai marin. uniforme quand même, hein. Marin, mais après, au bord d'un port, la sécurité. Moi, j'ai pas mal de blocages quand même, hein. Ouais, J'ai mais. que du carreau, donc le carreau, c'est retard, blocage, renfermement, il tourne en rond là. Oui, dans sa bulle. Oui, là, il avait. Est-ce que c'est Lilian qui. C'est ce Lilian-là qui avait. Il avait été agressé? Oh, je ne me rappelle plus. Il Moi, je sens avait. coincé quand même, je sens prisonnier actuellement au fond de lui, hein, ce garçon. Mais c'est bizarre parce que je ne sais pas pourquoi l'armée, l'uniforme me parle. C'est la tenue de l'agent de Bah, sécurité. non, mais peut-être qu'il c'était un ancien pompier ou quelque chose comme ça, c'est possible aussi qu'il portait un uniforme auparavant. Écoute, c'est pour ça que là, je reste sans mots parce que j'ai. Astrid me dit que je connais quand même le début de son histoire, mais je ne me rappelle Ben pas. ouais. Donc, Ben, si elle veut venir à l'antenne, elle vient, hein. ouais. Je ne me rappelle pas du tout. Alors, ça pourrait induire en erreur. Bon, ben alors on va passer à une prochaine question. Désolé Astrid, merci, mais vous pouvez Ah revenir poser oui, une question. si. Ah, Si, ça y est, si, ça te voilà. parle. Oui. Alors, on m'a dit le mot, mais en fait, c'est un geeker. Donc, toujours enfermé dans le virtuel. Mais je le vois prisonnier de quelque chose, mais alors, Oui, à moins qu'il mais. joue avec des jeux de combat, par exemple, Oui, tu vois. C'est mais pour ça qu'on voit les c'est un cercle militaires. infernal. Un cercle infernal. Parce que c'est à cause de ça qu'on a cette image. C'est un quelqu'un qui ne sort pas, qui. Vit dans son monde virtuel finalement. Voilà. Du coup, c'est vrai que là, il veut reprendre des études pour pouvoir se bouger, mais enfin, c'était ça le truc. Hein, c'était. Tu connais cette dame, toi? Je l'avais eu il y a très très longtemps parce que Vous avez déjà justement, conversé ensemble. mais en live, pas en privé, vraiment. Moi, je pense qu'il faut. Il a eu une coupure. C'est comme si à un moment, il y a eu un décalage. Je ne sais pas si c'est suite à un Il a coupé divorce ou un court. truc comme ça. Il y a quelque chose Non, qui s'est fermé dans sa tête. ouais, mais il s'est enfermé dans un monde virtuel. C'est vrai, c'est vraiment ça, coupé du monde. Non, il s'est Coupé créé du un monde, monde c'est ça. virtuel. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, il faut le sortir de là. Hein. Donc, je sais pas, fermer la box, la connexion. Mais Non, moi, j'ai la après, carte vous de la serez témoin de la réussite pour raison, ça. quand même. Ouais, je Astrid, j'ai vois. la carte de la réussite, donc je pense que c'est le renouveau qui va arriver. J'espère qu'il a compris que s'enfermer de trop dans le virtuel, ça peut être dangereux. Mais ça, voilà, je pense qu'il l'a. Parce que j'ai la carte de l'examen, mais je pense qu'il est. Il a pris conscience de ça. D'où aussi cette demande de retour dans l'étude ou quoi que ce soit. Mais voilà. Et j'ai la carte de la réussite, j'ai la carte de la naissance, donc le renouveau qui est là pour pouvoir avancer. Après, attention à pas retomber dans les anciens travers, on va dire, dans les anciennes. Mani.
Parce que ça reste fragile quand même. C'est du Fragile. positif, mais fragile. Prisonnier de sa chambre. Moi, j'ai vraiment un blocage avec tous ces carreaux. Hein. Je t'ai dit, c'est le carré, c'est enfermé entre quatre murs, quoi. Bon, désolé, on n'a pas de baguette magique. C'est la situation qu'il vit et la seule chose de, faut le sortir de là. Voilà. Après, s'il faut y aller par la force, pourquoi Ouais, pas. elle répond. C'est parce que en fait, il y a un petit décalage sur Il y a un YouTube. décalage. Elle vient de Ouais. YouTube. Hein. La demande vient de lui, donc je pense que le déclic est là. Donc super s'il y a le renouveau. Pour moi, oui. Attention à pas retomber dans ces penchants-là quand même. Faut pense lui rappeler que le virtuel, c'est bien, mais à petite dose aussi. Il y a un temps pour tout. Si on ne le sort pas de ce carré, de cette grotte dans laquelle il est, et c'est à lui de s'en sortir, c'est lui qui doit trouver le chemin, quoi. Bon, Exactement. allez, ben merci en tout cas, Astrid. Allez, on va aller chercher. On a Capucine qui a posé une question. Capucine, c'est à vous. Il y en a qui vont dire qu'on va trop vite, qu'on reste pas assez longtemps avec les gens, mais bon, ils sont nombreux à sonner à la porte, Florence. On On est va voir un victime de nouveau. notre succès, Laurent. Ils sont là, ils hurlent. Et Toc, toc, moi, toc. on vous oublie pas, mais moi j'essaie d'aller vite, vous voyez, hein, ne m'en voulez pas, Florence. Hein. Bah, c'est moi qui éternise les choses à chaque fois. Non, mais c'est pas grave. Je suis là pour recadrer. Alors, nous sommes avec Capucine, qui est née le 15-3-69. Elle veut savoir s'il y a un déménagement et si c'est bon pour le travail pour elle, ce déménagement. Et moi, j'ai faux trois chiffres, Capucine, de 1 à 10. Et bonsoir à tous ceux qui viennent de rentrer sur le live de YouTube et de Facebook. On vous voit. On vous lit plutôt. Donc, par rapport à la question posée par Capucine, toi, tu as déjà des éléments. Capucine, s'il vous plaît, donnez-moi trois chiffres de 1 à 10. Est-ce que c'est passé en examen cette demande de logement? Est-ce qu'il y a eu une demande de logement de poser? Est-ce que c'est actuellement en examen? Ça doit peut-être passer en commission. C'est des nouvelles qui sont très attendues, en fait. Il y a aussi des nouvelles attendues. Donc, les nouvelles sont très, très attendues. Donc, elle n'a rien demandé. Non, il n'y a rien d'autre. Par contre, moi, il y a un truc qui est bizarre qui ressort dans ma lecture. J'ai comme une image qu'elle doit finir une formation avant de penser à déménager. Donc, comme si elle avait quelque chose à terminer là. Et après, effectivement, on pourra voir ce déménagement, mais ce serait plus après un achat, moi, plutôt qu'un déménagement. Je vois. Et ben, Tu vois, moi, j'ai la carte de elle veut changer de l'examen région. Elle veut et la changer de carte de la région. nouvelle. Donc, tu vois, j'ai les deux. Moi, je la vois plus à acheter. Pour l'instant, il faut qu'elle termine quelque chose là où elle se trouve. Et ensuite, elle changera de région et elle achètera certainement là-haut parce que j'ai une grande réussite. Je vois beaucoup de monde, il y a de l'eau, il y a des enfants partout. Je ne sais pas pourquoi des gosses, ça court de partout devant moi. Capucine, qu'est-ce que vous faites avec les gamins? Est-ce que c'est quelque chose, une activité ou... Et j'ai vraiment. Elle va marcher sur les problèmes, tu vois. Elle avance. C'est ce qu'on me montre. Ouais. Elle aura besoin de soutien aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Merci Astrid de rappeler qu'on a 40 secondes de décalage avec Facebook. Ah Non, oui. avec YouTube. Ouais. Oui, YouTube. Là, actuellement, elle est au chômage. Hein.
Oui, mais elle n'a pas répondu à ma question. Est-ce qu'elle voulait travailler avec des enfants? Et pourquoi j'ai cette foule, cette eau, où elle veut aller habiter? Là, elle cherche une formation, mais est-ce qu'il y a une formation qui avait été pensée par rapport aux enfants? Oui ou non? Ah oui, c'est vrai qu'il faut attendre 40 secondes. Oui. Oh, que je suis bête. Laurent, sois pas Attends, pressé. j'ai trouvé la solution. À chaque fois qu'on pose une question, on fout un jingle. Voilà. Et comme ça, le temps que le jingle passe, on a la réponse. Voilà. C'est. Et tant que nous, on repose une question, ils ont le jingle. Oui, mais ils restent quand même, ils sont toujours là au bout. Oui. Capucine, Capucine, où es-tu? Où es-tu? La réponse. Et Florence qui s'éclate, bien sûr. Bientôt, il faut mettre un peu de bonne Évidemment. humeur, on ne va pas se prendre au sérieux des Ah fois. bah oui, mais moi je Sérieux, l'ai toujours on la est un bonne peu humeur. farfelu quand même. Pas de relation avec les enfants, elle me répond. Moi, j'ai quelque chose. Peut-être regarde dans ces formations et par rapport à l'endroit que tu cibles, on peut penser que quelque chose t'attend. À moins qu'elle va habiter à côté d'une école, ce qui est possible aussi. Qu'il y a une école pas loin, qu'il y a plein de gosses, tu vois. Mais moi, ça grouille les gosses. Et pourtant, ils sont là, hein. Ils sont même avec la maîtresse, tu vois. Je te promets, Laurent, je ne l'ai pas engagé pour garder mes enfants. C'est voilà, je l'ai pas Pendant que engagé. tu vas traquer le fantôme. Non, je ne l'ai pas engagé pour le temps que je pars traquer les fantômes. Non, Alors, elle me dit, est-ce que vous pensez à une formation avec le scolaire? Oui, tout à fait, Capucine. Ouais, je sais pas, moi, Sûrement. faut aller kiné, faut aller voir ce qu'il y a. Et après, ou ça peut être aussi dans les crèches, comme directrice de crèche, tu vois. Il y a quelque chose à Allez, construire. il y a quelque chose comme ça qui me parle. Parce qu'elle a beaucoup de sensibilité, la Capucine. Elle nous demande si c'est dans le centre de la France, Madame Irma. Sors ta boule de cristal, dis-moi la vérité. Est-ce que tu vois qu'elle va dans le centre de la France? C'est pas dans l'immédiat, c'est plutôt peut-être, c'est pas. Moi, j'ai beaucoup de vignes, de raisins, C'est là où elle pas va. dans le centre exact, hein. C'est pas dans le centre exact, c'est. Sébastien, il dit qu'on fait sérieux, que c'est hyper troublant. Oh, bah alors, zut, alors Seb. Oh mince! Comme d'hab, elle nous dit Daisy. Bon, merci, ouais. Vous êtes sympa. Moi, j'avais dit que je ne voudrais pas, j'étais en vacances là. J'ai dit non, je vais quand même un peu les voir. Ils vont me manquer sinon. Alors, C'est elle. pas, ça serait pas plutôt dans un, ben on dit centre de la France, mais après il y a les départements un petit peu limitrophes comme la Vienne et tout ça qui sont un peu plus. Bon, en tout cas, elle se casse d'où elle est, quoi. Elle Ouais. part. Hein. Dès que c'est bon, là, elle se sauve. Elle nous dit vers la Bourgogne. Bah, pourquoi pas? Moi, je vois du vin. Hein. Je vois du raisin. Donc, en Bourgogne, il y en a. Hein. Vas-y. Bon, en tout cas, merci d'accepter la réponse, Capucine. On te souhaite bonne chance dans cette nouvelle vie qui t'attend. Et on va prendre une autre question abracadabra. Je vais greffer monsieur. Voilà. Merci, Capucine. C'est vrai que c'est pas facile, hein, mais ce soir, on essaie de donner un peu à tout le monde. Et vous faites comme notre ami, c'est Yann, qui a posé une question. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pour nous la question. C'est pour les amours. Les amours sont-ils dans le four? J'ai même les chiffres, tu vois déjà, ça c'est bien. Voilà une question claire, un Il y a un domaine clair. choix, il y a un choix à faire, je pense, à propos d'une femme. Mais Tu crois qu'il va tomber amoureux ce soir? il y a un choix de toute façon qui va s'imposer. Je pense D'accord. que c'est quelque chose de. En fait, Inévitable. il essaye un peu de suivre son destin pour faire un changement. Peut-être même un changement plutôt.
je dirais radical, mais un peu maladroit ce mot-là. Tu veux dire qu'il aurait quelqu'un et il voudrait aller ailleurs, changer de femme, changer de vie, je sais pas, c'est ça que tu veux dire, que tu ressens, que tu vois? Oui, peut-être que c'est peut-être même, je sais pas, quelque chose actuel qui l'étouffe un peu pour, il voudrait changer radicalement. Radicalement, j'ai eu un Alors, bug. il faut qu'il nous réponde dans le chat, s'il veut bien. Si on veut avoir une réponse dans le chat, s'il vous plaît, oui ou non. Je pense que. Salut, comment tu vas, Julien? Je pense que. Julien, désolé, tu vas être bloqué. Je pense que c'est pour retrouver peut-être un équilibre aussi. Donc, c'est compliqué. Oui, il y a un vrai choix à faire. Il y a un choix. Moi, je vois là. Tu sais, je visualise comme une Salut plateforme Julien. à boules, tu sais, un peu instable et marre d'être un peu, tu sais, un peu pris entre deux, tout le temps pris à partie ou peut-être même des crises Il y de a eu jalousie. un passé douloureux. Alors Ah. moi j'ai un divorce, c'est bizarre, je vois comme une séparation et la présence d'une femme. Ou en train de divorcer, mais il y a quelque chose. Et je dois faire un voyage ou un déplacement vers cette personne. Je ne sais pas si ça lui Bah, parle, s'il peut me dire quelque chose dans le chat. je pense que oui, c'est peut-être sûrement pour retrouver l'équilibre parce que je le voyais sur une. Ouais, ça fait comme une balance, tu vois, ça c'est pas stable, c'était pas stable jusqu'à maintenant, mais tu vois, quand je parlais de stabilité, je pense qu'il veut retrouver la paix. Quelqu'un avec qui partager quelque chose, mais de vrai. Pas se voiler la face. Ouais, pas se voiler, ni je sais pas vivre une fausse relation. Voilà, c'est plutôt ça le mot. Je Alors, est-ce pense qu'on a la réponse que. à... Si on n'a pas la réponse à nos questions, ça va être difficile, mais merci. Oui, il est divorcé, donc, ouais, donc moi, le divorce, je le vois bien, il est là. Ouais. Et je vois cette femme, une femme d'âge mûr, mais alors il y a une distance peut-être, parce que je vois un voyage, elle habite peut-être pas à côté de lui. Et je ne sais pas si ce n'est pas un ami ou quelqu'un de proche qui va lui présenter, il y a quelque chose comme ça. Une femme à Ah, il l'étranger, a une femme à l'étranger, donc c'est d'où la mais les distance. parents s'opposent. Oui, donc il y a un homme au milieu qui doit les présenter. Voilà, c'est ce qu'on Ouais. me disait juste avant qu'il réponde. Hein. Et je C'est vois la carte de qu'un l'examen. voyage, pour aller voir cet homme. Je pense que c'est en discussion aussi. Ben oui, salut Romediatel, salut Philippe. Parce que j'ai la carte de l'examen, donc. Ouais. Mais il y a une femme à l'étranger, il n'y a pas de problème, elle t'attend. Maintenant, il faut aller convaincre le père. Et il a peur. Je ne sais pas, je sens une peur. Est-ce que tu as peur de faire ce voyage, d'aller discuter avec cet homme? Et est-ce qu'elle est divorcée ou est-ce qu'elle est veuve? Je ne sais pas, peut-être c'est une Je femme pense pas. déjà qui a eu. Mais il y a quelque chose de bizarre. Je pense que forcément, il va y avoir dans un premier temps beaucoup d'échanges pour accepter le fait que ces deux personnes soient ensemble. Mais le choix va finir quand même par aboutir. Je pense que c'est ça. Pour l'équilibre de l'un et de l'autre. Vraiment. Donc il y a une différence d'âge, hein, effectivement. Mais il faut aller convaincre le père. Hein. Voilà, c'est tout. Donc pour moi, je répondrai oui à sa question. Oui. Il va trouver l'amour prochainement, mais il faut qu'il fasse un voyage pour aller le chercher de l'autre côté de la mer. Voilà. Moi, que c'est beau. C'est bien un petit peu d'amour dans la vie, non? On n'est pas fait pour vivre seul quand même. Il est temps Non. de vivre sa vie, de vivre la vie que tu t'es imaginée. C'est joli ça. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Depuis pas longtemps, mais je trouve que ça avance bien. Ah oui. Ouais.
Alors, si vous voulez, vous pouvez faire comme nous, prendre un petit café. Voilà, je vous en ferai bien un. Voilà, merci pour le café. Merci la technique. Et on va prendre une autre question, si tu veux bien, Florence. Et puis on attend Josie. Je ne sais pas où elle est, hein, Philippe, qui est dans le chat. On attendait Josie si elle voulait répondre à des questions aussi en direct. C'est avec plaisir. Elle a le lien. Mais peut-être que. Elle nous écoute tout simplement et en tout cas, il y a notre amie qui nous dit OK, merci, merci, oui. Vive l'amour. En tout cas, vivre sans amour, est-ce que c'est possible, Florence? Non, non. On parle de n'importe quel amour, que ce soit de ses En parents, amitié. de son conjoint, de ses enfants. On ne peut pas être heureux sans avoir au moins quelque chose. Sans amis, sans amour, sans Ouais. relation. Ouais. Donc, On ne peut celui qui pas être reste dans heureux. sa grotte, il ne peut pas être heureux. Non. Eh oui, il y a point de dessert. Là, tu vois, tu me donnes faim. De désert. Gâteau maison, hein. Il y a point de désert qui si affreux qu'on peut vivre sans amis. Mais en tout cas, ouais, tu nous donnes faim. C'est bien avec le petit café. Moi aussi, regarde, j'ai même eu une brioche comme toi. On a fait de la télépathie C'est ce mon soir. bébé qui m'a fait regarde, Oh! j'ai un petit Bon, alors gâteau on prend là d'amour. une. Merci à toi de ta confiance. On va prendre une autre question. Allez, je la pioche au hasard. Hop! J'ai attrapé l'Aïtiti. Alors, on ne pose plus de questions pour l'instant. Comme ça, après, on reprend une nouvelle question. Alors, Florence, va-t-elle trouver l'amour? Ouh, ça, c'est intéressant, ça. On parlait d'amour juste avant, en plus. Alors, j'ai invité John à nous rejoindre, mais je ne sais pas s'il est dans le chat à nous écouter derrière ses platines. Mais lui, il fera peut-être un peu d'astrologie s'il vient à l'antenne vous rejoindre. Désolé pour la brioche, moi j'étais en train de digérer la mienne, toi, je te l'ai pas enlevé de la bouche, pardon. Je suis vilain quand même. Non. Ah, Bon, vous êtes. Laurent, quand même. Attends, 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 attends. Oh, ça mérite un carton rouge. Me fait engueuler en plus, on me dit tu mets pas assez de jingle, hein? Ouais, bon, d'accord, Lolo 2, Flo-Flo 0. zéro. Non, non, mais on y va. Non, Mais mais je moi, ils t'ai sont dit, annulés. j'essaye. C'est bizarre. J'ai une baguette magique. Tac, quand je mets des cartons rouges, ça annule, mais Dis j'ai donc. quand même de la chance. Alors, la question posée les amours, et moi, j'ai pas, j'ai mes chiffres, pardon, je les ai pas Ouais. vus. 6, 6, 5, 4. Est-ce qu'actuellement, il y a quand même un souci avec quand même une personne? Une dualité, peut-être un divorce qui a mal fini. Alors, Une oui, séparation douloureuse, moi je vais dire ça comme laissons ça. répondre Laïti Titi, si elle veut bien. Alors, elle est sur Facebook, donc ça devrait aller plus vite les réponses. Oui, Ouais, elle a c'est dit plutôt oui, hein, ici. ok, elle est Ah d'accord avec ouais. toi. Moi, Ouais. c'est Cosette, la pauvre, pour moi. Ça a été vraiment. Hein. Elle n'a pas de chance, hein, en amour. On dit toujours trop bonne, trop. Hein? Ouais. On dit pas. Je pense que, en fait, il y a eu comme un mensonge de construit dans cette relation. La méfiance, maintenant. Elle va se méfier de qui elle rencontre et je pense que ça va influer ses choix de vie de couple pour la suite, en fin de compte. T'es sûr?
Je le pense fortement. On a l'impression qu'on joue au ni oui ni non, mais non. Moi, j'attends sa réponse, elle vient pas. Elle n'est pas gentille. Répondez ou on passe à une autre question. Bon. Merci. Laetitia. Ah oui, c'est ça. D'accord, merci. Merci. Moi, j'ai vraiment une dualité. Pour l'instant, elle n'est pas prête d'aimer. Non. Elle s'est interdit un petit peu de le faire. Par contre, j'ai quelqu'un du passé qui vient lui rechatouiller un peu les doigts de pied, mais je sais pas si Mais je pense que c'est pour elle ne sait pas. sûrement le divorce qui a été prononcé. Je pense que cette personne n'a pas compris, enfin, son ex-conjoint n'a pas compris que c'était fini, qu'il fallait qu'il arrête de la. De la. Je vais pas dire de la harceler, mais c'est maladroit comme mot. C'est pas. De l'embêter, de venir l'embêter tout le temps, de revenir à la charge. Non, mais là, c'est fini pour elle. Elle ne veut pas revenir en arrière, c'est ça. Il y a quelqu'un quand même dans son passé qui n'est pas son conjoint officiel qui, effectivement, a réapparu, mais il ne faut pas qu'elle se laisse perturber pour l'instant. Non. Moi, j'ai plus l'impression qu'elle a mis sa ceinture de chasteté. Hein, voilà. Ben, c'est la Donc, méfiance. niette, niette, avant que vous tombiez amoureuse de moi, vous avez intérêt à assurer les mecs. C'est un peu ça dans son Ouais. raisonnement. Fichez-moi la paix. C'était plus. Voilà, Ouais. foutez-moi la paix. Je pense un petit peu à moi, Je mais reprends mon elle a souffle. raison hein, de le faire. Hein. Oui. Ouais. Mais c'est une Je signe. remise à niveau de soi, de son propre équilibre. J'ai quelqu'un qui est du signe du Verseau qui va être très important pour elle ou qui est proche d'elle, mais en Bah, il tout cas, va c'est. falloir laisser couler de l'eau sous les ponts. Ouais. Mais cette personne qui est née au mois de janvier, là, elle me turlupine l'esprit, je ne sais pas qui c'est. Moi, je vous ris, je vous lis, je m'éclate. Cédric, t'inquiète pas, Laurent, j'aime pas les barbus, lol. Franchement, comment voulez-vous qu'on se concentre, nous? Qu'est-ce qu'il Hein? dit? Viens, ils disent des bêtises. J'aime pas les barbus. Oh. Non, après, les réponses, il faut que ça s'enchaîne, voilà. Hein, sinon, Non, mais elle est là, Ah, mais j'ai d'accord, vraiment ok. envie aujourd'hui C'est de moi qui arrive, rencontrer pardon. un homme. Dis-donc. Oui, elle a envie, mais elle s'est interdite. Elle s'est mis sa ceinture de Ah, chasteté depuis un certain temps. Oui, c'est c'est son son ex ex qui qui est l'a. Qui l'a... verso. Ah, d'accord, c'est son ex qui est verso. Et elle est de janvier, donc c'est Ouais, donc Sagittaire. il est toujours là à l'étouffer, son ex. Hein, parce que pour C'est moi, ça. cette personne du verso, elle me perturbe. Ils en remettent une dose, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, dis-lui qu'il s'achète un âne et qu'il fasse le tour du quartier, et puis toi, Voilà. reprends-toi et pars à la chasse. Hein, voilà, c'est un peu ça. Alors moi, je te conseille, sinon, d'échanger avec ta voisine les étiquettes. Parce qu'elle n'a Et pas la pas. poisse hein, en amour, hein, Non. Florence, hein, dans mon Ah jeu. non, non. Il y a Elle juste qu'elle a. s'est mise en pause. Hein, Elle donc, a faut la appuyer carte sur de la play. réussite, elle a la carte de la protection. Ouais. Donc, quelque part, tout ce qu'elle va entreprendre, ça va réussir. Faut juste que lui, il comprenne qu'on ne peut pas gagner. Ah ben À là, tous les coups. il faut qu'elle tourne une page, quoi, hein, clair et net. Hein, Tout à fait. faut que ça clash une fois pour toutes. Et pourquoi pas, hein, ça ira mieux après. Moi, je ne m'inquiète pas pour elle. Hein. Seb. Si tu ne peux pas être une étoile au firmament, ben, sois juste une lampe dans ta maison pour toi, voilà. Hein, tu t'en fous des autres. Pense à toi, voilà pour sa question. On va prendre une note et peut-être une avant-dernière question. Hein, Florence? Oui, vas-y, moi Allez, j'ai pas la main alors. sur le chat, alors je te laisse faire. Non, mais tu l'as le chat, non, sur le côté? Oui, je l'ai, mais je peux pas sélectionner, moi. Mais moi, je n'ai pas vu la dernière question posée. Il ne faut pas prendre quelqu'un qu'on a déjà pris pour continuer. On a Jannick, fermière. On ne l'a pas pris. Voilà. Ah. C'est ça? Voilà. C'est elle? Aïe, 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 c'est compliqué. Alors. Donc c'est pour un lit médical.
Moi, je prends le 369, c'est ça. On mélange. Ça, c'est un dur travail à effectuer que d'obtenir cette ce renouvellement. Moi, j'ai un problème de hanche. En tout cas, il y a un souci sur la hanche. Je ne sais pas si elle peut répondre. Est-ce qu'elle a des problèmes à la hanche actuellement? Ou elle a été opérée peut-être? Si on peut avoir un oui ou un non ou une réponse sur le chat. Qui nécessite en tout cas. Bah, disons que je pense qu'elle est actuellement. C'est une personne fatiguée parce qu'elle ne. N'a pas le repos qu'elle voudrait. Elle dort pas. Elle dort moyennement bien. Mal installée. Son corps, je pense qu'il est douloureux dans la totalité quand elle doit. Donc elle nous met, oui, ma hanche s'aggrave, le lit, à 15 ans. Est-ce que la demande a déjà été et, bah oui, la demande a déjà été effectuée, je crois. Mais pense qu'elle pourrait avoir des nouvelles dans un court terme. Comme une reprise de dossier, en fait. Quelqu'un qui reprend un peu. Moi, je vois une lettre. Je ne sais pas si elle a écrit à quelqu'un. Est-ce que vous avez fait une lettre à quelqu'un pour passer un peu outre et pouvoir avoir cet appareil? Très, quoi. Très émotive en ce moment. J'ai l'impression qu'elle est épuisée. Elle n'arrive pas à se lever. C'est bizarre. Je la sens bloquée quand même. Ouais, mais si elle est épuisée. Ouais. On n'a pas de réponse de notre ami Yannick. L'esprit, es-tu là? Si tu es là, tape trois coups sur fréquence. Faites entrer l'accusé, s'il vous plaît. Est-ce que ça pourrait être des. Bon, je ne sais pas le nom exact, mais. Alors, elle a contacté l'assistante sociale de la mutuelle, par courrier donc. Bah, j'ai la carte de la nouvelle aussi. Je pense que c'est en fait une nouvelle personne qui va gérer ça. Moi, je vois une réponse en début de mois. Je vois une réponse en début de mois, à moins qu'elle aura son fauteuil en début de mois, entre le 4 et le 5. Ouais, je ne vais pas aller loin dans le temps pour qu'elle soit équipée chez elle, d'après mes cartes. Donc, elle viendra nous dire ça la prochaine fois. J'ai court terme, pour moi, oui, ça va enfin aboutir. Quoi. Et là, elle ne peut plus se lever depuis 5 ans. Oui, mais quand je dis fatiguée, enfin, quand je dis se lever, quand on se réveille, même si on est alité totalement, il y a quand même un certain confort corporel qui fait que voilà, le corps se réveille, même si on ne peut plus marcher, même si on ne peut plus. Voilà, mais voilà. On distingue. C'est bizarre parce que je la vois en communication avec des esprits. Je ne sais pas si elle a une capacité à. Ou s'il y a un esprit qui vient à côté d'elle, là où elle se trouve, dans sa pièce. Question pour notre ami Yannick. Est-ce que des entités viennent. Est-ce que vous les ressentez autour de vous lorsque vous êtes dans votre lit? Bonsoir Flo, Florence. Salut. Oui, je ne dors pas bien. Elle parle à son fils. Ah. Mais votre fils est décédé? Je pense qu'il est, bah, il n'est pas décédé, il est là à côté de vous. Hein, Florence? Moi, je le vois. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une réponse? Parce qu'il y a quelque chose qui la perturbe par rapport à ça, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Oui, il y a 5 ans, en mai, il est décédé son fils. D'accord. Mais il n'y a pas que lui. Il est à côté de vous. Hein.
Oui, il n'y a pas que Ouais. lui. Après, c'est vrai que quand lorsque notre esprit est libre, on est plus serein. Mais là, si elle pense et qu'elle le voit, qu'elle est elle-même bloquée dans son lit, ça doit être très difficile. Peut-être pour ça que j'ai ce ressenti un peu bizarre. Je voulais le relever. Voilà. Tu as quelque chose d'autre pour notre amie par rapport à ce lit médicalisé? Elle va l'avoir. Non. Moi, on me donne un délai court. Hein. Ah, tu vois, elle dit que son mari et son petit-fils aussi, il y a 5 ans, mais. Oui, Donc il y elle a du prend. monde, Ouais. hein. Il y a du Ouais. monde, là. Elle est entourée, mais. Ouais, pas seule. Voilà. Mais moi, je pense que oui, elle va avoir une réponse. Hein. Je lui ai donné dans un court terme. Laurent, je crois que tu as dit un créneau de date, mais. Mais j'ai dit 4-5 du mois prochain. D'accord. Donc dans quelques jours, là, elle va avoir quelque chose de positif avant début août, quoi, voilà. C'est Il est ça. là, elle est dedans. Mais en tout cas, merci Janine d'accepter notre réponse. On prend encore une question. Allez, tu l'as choisie, Florence? Comme ça, je la greffe, si tu Il y veux. a Il y a Euromédiatel qu'on n'a pas ouais, passé. c'est On ça. a. Florence aussi. Ouais, bah tu choisis. Bah, on va faire d'abord Euromédiatel, on fera Florence après. Allez, on y va. Ah non, je me suis trompé. Ben J'ai non, j'ai un peu greffé au-dessus, Florence. notre Patrice Marie à qui on a déjà répondu tout Ouais. à l'heure. Donc, on va s'adresser à Euromédiatel, qui doit pas être loin sur le live. S'il est là, il peut venir nous répondre en direct s'il veut. Mais sinon, il peut interagir sur le chat. Alors, merci Philippe. Alors, la question, Florence, vas-y, dis-nous ce que tu ressens. Alors déjà, j'ai l'homme et le temps qui sont tombés à la coupe. Donc, je pense que ça va mettre du temps quand même à s'organiser tout ça, enfin, à se mettre en œuvre. Se mettre en route, ouais. Après, j'ai aussi la carte du changement. Est-ce que c'est une décision de justice? Est-ce que c'est pour une reprise de société par enfin, comment on dit, un rachat de société? Est-ce que c'est pas lié à une décision de justice qui a eu cours pour J'ai pas de chiffres pour moi. Il me faut trois chiffres de 1 à un 10. redressement, peut-être une quelque chose. Et Il y on a n'a eu pas de un réponse. redressement. Peut-être bien. Donc toi, c'est ce que tu as comme ressenti. On attend une réponse. Si j'attends mes chiffres, parce que moi, je ne peux pas choisir les cartes si je ne les ai pas. Pour lui, non, pas de décision de justice, nous répond-il. Salut Sam, bienvenue sur le live. Et on se fait engueuler plus haut par Patrice Marie qui nous dit non, vous m'avez pas répondu, mais tout à l'heure elle est passée sur Ben le oui. live. Bah Faudra regarder le replay si c'est la même question. oui, non, mais même. On n'a pas Alzheimer, je crois pas. Attends. C'est parce que là, je vois Alors, mes comme. chiffres, attends, il me donne mes chiffres. Il m'en faut trois, hein. Trois chiffres de 1 à 10. Hein. Donc le 5, il m'en manque encore deux. T'as vu comme ils n'écoutent pas, ils sont pas attentifs. Hein. En fait, je dis une décision de justice, mais est-ce que Là, le c'est fond de quelque la chose qu'on a question. jugé, c'est plutôt quelque chose qu'on a jugé, Le fond de la question, comment c'est dire? est-ce qu'il va vendre au prix qu'il veut? Ouais. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, est-ce qu'on a Mais. un oui, est-ce qu'on a un non? On va le savoir. 5, 2, 7. Merci, Philippe. Est-ce que c'est plutôt jugé, comment on dit, N'y a peut-être pas un de, état de y a santé? rien, y a rien par rapport à la justice, hein, il te dit. Non, non, jugé par rapport à son état de santé.
D'accord. Je ne trouve pas ce mot que je cherche. On dit, 1, 2, 3, 4. on juge que c'est nécessaire, voilà. Juger nécessaire, c'est, voilà. Ah, je le sors enfin ce mot. Pas possible, cette histoire. Nécessité, vraiment. Alors moi par rapport aux cartes, j'ai quand même effectivement des craintes et des peurs, mais je vois une association avec quelqu'un qui va racheter une partie des parts de la société. Cette personne, elle va venir ou elle a déjà chatouillé Philippe. Je pense qu'il y a eu une première négociation qui a donné rien du tout, qui n'a pas donné lieu à un accord. Voilà. Merci Astrid, à bientôt et bonne soirée à toi de notre part. Ah, je suis très fatiguée et une maladie me sort. Salut Laure. C'est ouais, plus ouais, comme je disais, plus jugé pressé par rapport à un état de santé. On n'a pas les réponses qui viennent, donc c'est difficile. C'est Bon, marqué il... là, il est je suis très fatiguée et une Ah maladie me oui. sort. Oui, donc c'est plus que nécessaire que cette entreprise soit vendue au plus vite Bah, dans un si on tarif répond à la raisonnable. question, c'est est-ce qu'il va Oui. arriver à la vendre? C'est ça sa question. Est-ce qu'il va la vendre le prix qu'il veut? J'ai la carte de la réussite, donc je pense que oui, ça va être. Moi, Il va pour moi, la il vend vendre. pas tout, il vend que des parts et quelqu'un va lui acheter ses parts. Voilà, c'est ce que je peux lui répondre de mon côté. Il veut venir à l'antenne, mais on a encore deux personnes à prendre. Tu viens en off après si tu veux, Philippe. Josie, elle a le lien. Alors, comme ça, parce que je vois, on se fait tirer les oreilles. Désolé pour tout le monde, pour tous ceux qui sont bavasés ce soir. Promis, on en fera d'autres. C'était même pas prévu qu'on vienne vous répondre. Et puis voilà. Il y a Arc-en-Ciel qui a une question. Il y Il y avait a Florence avant. Zulika. Il y a Y avait Florence Zulika. avant. Je vois Zulika aussi. Alors, attends, il faut que je remonte. Ne Y posez avait plus de messages dans le chat, s'il vous plaît, pendant 2 secondes. Flo, Mais. c'était juste en dessous de la question de Euromédiatel, Ah, Philippe. c'était Florence Oui. Choche, c'est ça? Je Oui. sais plus, moi. Change. Pardon, Florence, Charge. si j'ai écorché votre nom. Ouais. Parce que moi, pas parler français. Alors, elle est née en Mais 78. Est-ce que je pourrais avoir un petit message? Merci. Mais alors, on n'a plus la question. Merde. Je sais pas si elle est encore là. Elle est peut-être plus là. Hein. Alors, attends, je regarde, je suis en train de regarder rapidement, savoir si j'ai non, mais la. dans ce cas-là, qu'elle pose la question Ouais. en bas. Ouais. Flo, Florence 2, bip, Je bip. cherche à évoluer Reposez spirituellement. votre question, s'il vous plaît, ce sera plus C'est un simple peu parce plus que bas, un peu on plus est bas. déjà à 1 heure, à 2 heures de live. Et je vais fermer le live assez tôt ce soir. C'était juste pour vous faire un petit coucou avec Flo, quand on est Je passé par cherche là. à évoluer D'après, on se fait spirituellement, engueuler donc à la j'aimerais maison. savoir si je suis sur la bonne voie. Voilà, c'était sa question. Un peu plus bas. Mais elle va la reposer en bas, comme ça je la greffe parce que. Elle est en Alors. bas, elle est en bas. Mais je la vois pas, Oui. moi. Ah, Ah, alors, mince. attends. Ah, C'est ça mince. la fibre. Hein. Moi, j'ai pas de fibre, je suis encore en ADSL, tu vois. Moi, je suis en fibre. Mais moi, Bon. je suis en ADSL encore, dans les campagnes. Et je l'ai pas, sa dernière question. Il n'y a Ouais, pas j'ai trop trop de de Florence Florence ce ce soir. soir, ouais, c'est ça, ouais. T'es cerné, Laurent. Oh les mains. On est là, on est par trois là. Ouais, mais La moi, n'oubliez pas, j'ai Trinité. mon carton. Il est où ce message? Qu'on finisse ce live tranquillement, mon ami. Alors, attends, on va la chercher, on va chercher ça. On dit fini, mais des fois, on fait 5 heures de live. La dernière fois, 6 heures. Vive les flots! Si on fera la nuit de la voyance bientôt, pour ceux qui ont des Ah. dons, qui veulent y participer, la nuit complète, hein. Ouh.
Oh bah, il y a des couches tard, hein. J'en connais qui sont dans le chat, là, ils ne dorment pas de la nuit. Alors, ah, ça y est, je crois que j'ai vu sa question, hein, Florence. Elle a été repostée, mort de rire. C'est la dernière chose que je vois d'elle. Donc, je ne vois pas la question. Je ne peux pas la greffer. Ah zut. C'était en fait sur ses dons spirituels, va-t-elle évoluer? C'était ça la question. D'accord. Mais okay. J'ai plus la date de naissance parce que tu l'as enlevé. C'est peut-être les modérateurs qui nous font des coups, ils suppriment les messages pour pas qu'on les voie. Oui. Les salopards. Attention, merci à la modération. Ah non, mais attends, il faut quand même remercier les modérateurs, c'est important. Et parce oui, qu'ils, quand même. Ils sont là. Hein. Ah oui, ils sont là. Allez, on se concentre, on va reprendre la question. Donc, est-ce qu'elle a des. Ses dons vont évoluer, c'est ça? Oui. Merci à la modération. Alors Florence, est-ce que leur don va, est-ce que son don va évoluer? Ils sont forts les baudouins, moi je vous le dis. Moi j'ai mes chiffres, j'ai pas de chiffres. Tu vois? Je suis à chaque fois, moi, c'est pas de chance, hein, vous les filles, vous êtes mieux servies quand même. Hein. Bah quand même. Bah, je pense qu'elle est en pleine réflexion actuellement, qu'elle fait un certain choix. Ouais. Vers quelque chose qui pourrait la faire évoluer au niveau de certaines capacités. Je pense qu'elle se cherche aussi. Je pense qu'elle cherche le domaine où elle pourrait pratiquer. Est-ce qu'elle pourrait chercher mes chiffres, par exemple? Celui qui sourit au lieu de s'emporter est toujours plus fort. Bon, allez, je vais essayer de prendre 7, 5, 8, 3. Voilà. Ah non, mais tu ne peux pas donner les chiffres pour elle. Ah bon? Ah mince. Ben non. T'imagines, elle met les mêmes. Je te les ai dit. Oh. Ah, 5, 3, 9. Tu vois, je n'étais pas loin. C'est quand même une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble, hein, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, faisons et disons à cette 5, dame. 3, 9, elle t'a dit. 5, voilà, 3, merci Florence. Merci Florence. Oh là là. Là solidaire, non, je n'ai pas dit merci à toi. Concentre-toi. Déjà que moi, j'ai dit. Allez, vas-y. Vive les flots. Si elle n'existerait pas, il faudrait l'inventer. Hein. Ah oui, je ne veux pas chanter. Bref, sinon on va se faire bloquer. Oui, c'est ça. Soyons pas vilaines. Je ne suis pas vilaine, je suis coquine. Non, je disais que c'est une personne, c'est une personne qui, je pense, cherche le domaine où elle pourrait évoluer en harmonie avec son soi intérieur. Je pense qu'elle cherche un petit peu. Le soi intérieur ou le moi intérieur pour elle, ils sont nombreux. Hein. Franchement, elle a dit qu'on était des rayons de soleil. Bah, toi, t'es rayon de la lune, hein, carrément. Hein. C'est bizarre parce que dans sa tête, il y a plein de monde. D'idées. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. Plein d'idées. Non, elle ne vit pas seule, cette fille. Florence, est-ce que vous ne vivez pas seule au quotidien? Est-ce que vous êtes à plusieurs dans votre mental? J'ai le signe du taureau qui perturbe sa vie avec des têtes à cornes autour d'elle qui me gênent. J'aime pas les têtes à cornes. Bah bravo. Alors, je suis au mois de mai, Laurent. Je te laisse deviner ce que je fais. Il y a Sébastien qui dit que Florence, elle s'enflamme. Carrément un arc-en-ciel pour la modération. Notre Florence. Pas mal, Flo du chat, bravo. Alors, je voudrais savoir si c'est tête à corne, qu'est-ce qu'elle a? Parce que c'est Sagittaire, Capricorne. Donc en fait, quand on dit une bête. Ah, c'est Sébastien qui est taureau. Ben voilà, vous devez vous rencontrer, Florence et Sébastien. Mais moi aussi, je suis taureau. Alors, elle ressent la présence de ses anges gardiens. Donc, ouais. Déjà, si elle dit mes anges gardiens, c'est qu'il y a du monde. Elle les connaît, déjà. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle travaille avec les anges. Et ça existe, les anges, Florence? Bien sûr que ça existe. Vas-y, Florence, explique-moi ce que c'est un ange. C'est moi. Oh, merde. Oh, pardon du retard, Sophie. T'es pardonnée. On t'aime.
C'est moi. Ouais, bah moi j'étais sur un plateau télé quand même, le Jean-Luc Bertrand d'RTL9 me regarde comme ça et me dit vous croyez aux anges gardiens? Et moi je venais de faire une nuit dans la forêt de Gorze avec Énergie 12 en tournage, j'avais plus de voix. On arrivait au studio de télé, je ne pouvais plus parler, je sortais même pas un centimètre sans passer à la pharmacie prendre des cachets, tout ce qu'il fallait. Et quand je suis arrivé devant lui, il me pose cette question, je reprends ma voix et je lui dis, si je n'avais pas d'ange gardien, je n'aurais pas retrouvé ma voix. Mais je ne parlais pas avant. Donc moi, je crois aux anges gardiens. Et ça, mes copains, ils peuvent te le dire parce qu'ils étaient avec moi, mais ça va aller. Oui. Il y a un troll. Je vous passerai sur le direct. Bah, les trolls, on les bannit. Ils sont où? Le En dessous, vilain. non? Inbox? C'est quoi ça? Ouais, on a la modération qui est là de toute façon, mais j'en ai banni quelques-uns ce soir, donc ne répondez pas au privé, faites attention, quoi. En fait, oui, je pense que quand on est une bête à cornes, on est aussi un peu rêveur. Et j'ai. Attends, parce que normalement, j'ai. Est-ce qu'elle aime bien dessiner? C'est plutôt. Est-ce qu'elle aime Côté bien dessiner? artistique. Ou peut-être, oui. Ou la danse, plutôt. Ou s'exprimer avec quelque chose. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Troll, troll. Désolé, au revoir. Désolé, je suis dans la, je suis un peu dans la. Et alors les Alors modérateurs là, oui. qu'est-ce qu'ils font ce soir? Elle peint. Oui, peut-être qu'elle a, oui, elle a un côté artistique, c'est ça? A été bloquée, la petite dame, là. Ah Bah, oui. je bloque, hein, ou Ouais, la modération bloque, hein, voilà. ouais, Des voyantes qui se greffent dans bonne les nuit, des lives. trollus. Merci, les Trolus. Alors, moi, par rapport à son don, pour répondre à sa question et passer à une dernière, peut-être, Florence, je pense qu'elle n'est pas seule, elle est habitée, donc ils vont l'emmener sur son chemin de la connaissance et il faut laisser ses anges la guider. Et ce n'est pas à nous de le faire. J'aime Ce serait peut-être à elle. colorier. Ça serait Elle peut-être à elle dit de nous guider, qu'elle Florence. aime bien colorier. On va faire des cours de dessin avec ta fille alors. Non, mais c'est un sujet que tu as évoqué il n'y a pas tellement longtemps, les peintures médiumniques ou autres. Ouais. Je pense que c'est plutôt, tu vois, ça ressemble un peu à ce que ma fille aussi pratique, c'est-à-dire qu'elle peint pour peindre et elle part dans ses rêves. C'est plutôt comme ça. La tête dans les nuages, parce que les Florence, c'est ça, on a la tête dans les nuages. Attention au MP, ne répondez pas si on vient Donc, vers vous lire les voyants qui vous écrivent. on est vraiment, voilà. Dès qu'on commence à partir dans autre chose, il y a un autre monde et dans lequel on se réfugie d'ailleurs souvent, c'est le moment de solitude, le moment de tranquillité, l'apaisement. Et les Florence sont comme ça, elles ont la tête ailleurs. Elles peuvent peindre, elles peuvent danser, elles peuvent Salut Laure. vraiment Et après, voilà, s'évader. Ouais, je pense je pense qu'elle a que une c'est. capacité, donc on peut lui dire oui, tu as une capacité, Ouais, vas-y, développe tranquillement, voilà. faut qu'elle le Si vous travaille, évidemment. intéressez aussi aux disciplines des autres, c'est important parce que ça permet aussi de trouver dans quelle discipline on est bon ou pas bon, tu vois. Être seule de temps en temps, oui, effectivement, ouais. On vous lit, hein. Mmh. Allez, on reprend une question peut-être, Florence. Vas-y, vas-y. Allez. Je les ai pas sous Ah, les ben, yeux. on va laisser taper la question qui arrive, hein, voilà, parce que moi, j'ai remonté, j'ai pas arrêté de supprimer les messages, donc pour les pas gentils, ben voilà, les gentils sont punis. Il faut devez réécrire votre question. La première écrite sera prise. Picotis, picotin. C'est Arc-en-Ciel qui a. Ah oui, arc-en-ciel, oui. Alors, prenons arc-en-ciel. Elle a tout donné cette fois-ci, tu peux travailler Oh, dessus. cher arc-en-ciel, merci. Que de bonheur de voir ce beau tournesol. J'en ai plein le jardin. Alors. Non, mais on a déjà répondu ça, non? Je ne sais pas.
Maxime. Alors, on est voyant ou on n'est pas? Est-ce qu'on a répondu? On a déjà répondu, je crois, oui. On devrait le savoir si on est voyant. Elle dit que c'est la première fois, c'est pas le même Maxime. Ce soir, vous êtes donné rendez-vous à Saint-Maxime. Et ça, c'est... Alors, les bêtes aquariums sont au rendez-vous, les flots sont au rendez-vous. Non, Saint-Maxime, c'est Saint-Tropez, c'est la Croisette, peut-être sur la plage là-bas, il y a un peu y a un petit arc-en-ciel. Elle dit que c'est la première fois. Bah alors, elle veut savoir ah si. Ah oui, tout à l'heure, c'était 88, effectivement. Ouais. C'était en 88 qu'ils étaient, ils étaient tous les deux. C'est de la faute de Florence, moi j'y suis pour rien. Hein. J'ai le droit. Moi aussi. Moi aussi j'ai le droit. Alors, Arc-en-Ciel, bonjour, c'est Valérie son prénom a priori. Hein. Elle est née le 6 avril 1977, j'allais dire 1877, on aurait été dans la merde. Entretien avec un vampire, nous voilà. Ouais. J'ai acheté deux bouquins aujourd'hui aux enchères de 1911 et 1909 que je vous ferai découvrir sur le spiritisme. Très très rare, et avec Marius, on est arrivé à attraper aux enchères un livre sur l'hypnose de 1921. Wow. Une méthode de pratique d'hypnose, on était super contentes à l'heure sur eBay, on a joué aux enchères. Alors là, on va jouer avec Arc-en-Ciel. 12 septembre 68, va-t-elle s'engager dans de façon sérieuse avec. Est-ce qu'il va s'engager, donc Maxime, avec elle? Je pense qu'il y a un ultimatum qui est actuellement donné. Il est là, il faut qu'il fasse un choix. Maxime. Mmh. Faut qu'il fasse un choix radical, on va dire. Moi, je ne le sens pas libre, ce mec. Il est avec quelqu'un, là, actuellement, cachotière de Arc-en-Ciel. Le petit Maxime, il trompe. C'est. Répondez-moi. Un long travail. Ouais. C'est un long travail. Hein. Ah, je suis très optimiste pour elle, quand même, hein, d'après ma carte. Mais il y a du travail. Hein. Oui, oui. La travail qui est là. Pour un changement. Alors, elle n'a pas encore mis l'ultimatum, mais bon, elle y pense. Hein. Ouais. Oui, mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Elle ne sait pas s'il y a quelqu'un. Ben, pour moi, Arc-en-Ciel, il y a quelqu'un. Hein. Mm. Il y a quelque chose d'autre qui me gêne, ouais. Ça frétille. Bon, après, on peut peut-être se tromper. Hein. Oui, mais il faut se méfier aussi. Faut... Voilà. Bah, le mec, il lui dit ah, « je travaille beaucoup ». Bah oui, s'il a une double vie, bien sûr qu'il va devoir se justifier. Hein. Pour moi, alors attends. Bah, pour moi, ce n'est pas clair. Hein. Je suis d'accord avec toi, ma fille. Hein. Il fait beaucoup de voyages. Enfin, il est amené à se déplacer fréquemment pour son travail. Je ne sais pas. On n'a pas de réponse. Bon, merci pour ceux qui sont restés encore jusqu'à maintenant. On ne se voit pas beaucoup, je ne peux pas l'accuser gratuitement. Ah oui. Ah non, non, on ne l'a pas accusé. Non, mais on l'a accusé. Non, mais on ne l'accuse pas, on lui dit ce qu'on ressent. Oui. C'est complexe. C'est complexe. Mais est-ce qu'il y a, oui, il est amené à. Pour moi, il y a une rivalité. Voilà. Maintenant, elle est en position de force. Voilà. Donc, si elle ne lâche pas le truc, le morceau, ah oui, non, mais elle moi, va l'attraper. Ah oui. Elle ne peut pas. Elle, personnellement, elle ne peut pas lui pointer le doigt, quoi. Pour moi, elle peut gagner ce combat sans problème face à l'adversité. Il suffit qu'elle use de tous ses charmes. Et en plus, c'est une personne très intelligente, Valérie. Elle a plus d'un tour dans son sac. Ouais, mais elle est désespérée par rapport aux amours. C'est ce qu'on me montre. Je la vois sur une chaise, tu vois, affalée en se disant « je cours après le temps, j'attends, j'en ai marre d'attendre ». Voilà, c'est ça sa tête en ce moment.
Mais de Bon, toute ben, on façon, va en plus, elle est passer. sur la défensive aussi d'avoir ce verdict. Non, parce que c'est à elle de lui mettre l'ultimatum. Il n'y a pas de où tu vas à la guerre et tu te dis j'entame une guerre, donc j'entame pour la gagner, quoi. Voilà. Hein, donc là, pour Savoir s'il est l'instant, elle est en intéressé. voie de garage. Est-ce qu'il est On ne peut pas intéressé? dire oui, on peut. Non, en général, c'est obligé que ça se voit. Hein. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Il faut qu'il y ait un effort de fait de la part Bah, autant au niveau de la relation sexuelle que de la relation Voilà. en dehors de la vie sexuelle. Et là, elle n'a pas de relation en dehors de la vie sexuelle, c'est ça le problème, finalement. N'y a rien de bon avec lui. Ouais, tu vois, le côté pessimiste, je t'ai dit que tu peux attraper ce garçon sans problème. J'essaie de comprendre. Bah, si vous avez un ressenti pour elle dans le chat, hein, mettez-le, hein, donnez-lui un conseil peut-être. On se voit très peu. Bah oui, c'est le bordel, c'est ça le problème. Si on se voit que pour une petite soirée sympa, avec un petit verre, on ne peut pas se contenter de ça, à moins qu'on accepte ça, quoi, voilà. D'où sa colère, tu comprends. Mais bon, moi je suis confiant quand même, Florence, pour elle. Ouais, Hein. Ouais. après Elle a envie je. d'aimer, voilà. Ah, elle veut savoir, oh, j'ai Il y a quelque chose à peur. construire, en tout cas. Il y a Regarde, quelque regarde, chose. regarde. Oh, je veux savoir si, oh, si ça va Non, il tomber. faut construire. Il faut construire Il y a vraiment. Sébastien Mettre Burgu pierre qui a par dit pierre. aucun ressenti, lui. Lui, il ne voit rien du tout. Je trouve que c'est entre deux eaux, en fait. C'est vraiment entre deux eaux. Il va falloir se trouver et Non, mais. Pour moi, vraiment. les amours sont dans le four, là. Hein. Tu vois, je te vois que quand j'ai envie. Non. Par contre, si elle persévère, elle peut le pécho, comme on dit. Voilà, on en est là. Et pour l'instant, Pécho-le. elle a pas de courage. Et elle a peur de lui dire, de peur de le perdre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Elle se contente de ça. Voilà. Moi, je dirais que c'est ça qu'elle vit actuellement, en tout cas dans mon ressenti. Après, elle ne le dira peut-être pas clairement, mais elle peut gagner hein, ce combat. Oui, mais il faut construire quelque chose quand même de solide au départ pour gagner la bataille, j'ai envie de dire. Plutôt comme ça. La distance peut tuer l'amour, comme nous dit Philippe. En tout cas, voilà, c'était notre réponse, Arc-en-Ciel. Merci d'accepter cette réponse de la part de Florence. Et on a Patricia Marie qu'on a oubliée, la pauvre. Oui, c'est vrai, pardon, Patricia. Patrice, pardon. C'est Mais encore Patrick. on l'avait pris tout à l'heure, Patricia Oui. Marie. Donc pourquoi elle dit qu'on l'a loupée, qu'on l'a oubliée? Alors, il faut revoir le replay de cette émission parce que Patrice, tu as été un des premiers à passer. Bah oui. En fait, dès que ta question est sortie, on y a répondu. Moi, je ne sais pas, je pense que vous êtes d'accord avec moi dans le chat, à moins que c'est quelqu'un qui nous aime bien, qui aime bien nous entendre parler. C'est bizarre. Le seul ressenti que j'ai. Ouais. Tiens, raison, Seb. Alors, bah, allez, on termine avec Yas. Allez, Yas, bienvenue sur le live. 2 heures de live. J'avais dit un petit coucou ce soir et Un petit on avait dit coucou. Flo, on peut faire un peu de voyance. Voilà, le petit coucou. Il y a Lorenzo encore qui n'est pas passé aussi, la pauvre Lorenzo. Bah regarde Patrice, bah t'es passé. Alors, On a ben, répondu. prends trois cartes pour Lorenzo. Elle veut savoir si sa situation financière va s'améliorer. Tu lui réponds positif ou négativement. Et après, on répondra à notre ami Yas. Eh bien, il va falloir un peu de temps. Mais on va y Pour arriver. l'instant, c'est. Donc, pour Lorenzo, c'est 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. C'était mes chiffres. Donc, est-ce que sa situation va s'améliorer pour Lorenzo? Alors, je dis que ça allait mettre le temps. Le temps. C'est pas pour l'instant, alors. Non. Pas dans l'immédiat. Un temps court, un temps long.
C'est lent, assez lent. C'est pas pour elle demain. Va pas gagner au loto. Non. Non. Alors, pour Yas, bonsoir Yas. Donc, elle est née le 19 septembre 67. Je viens de finir un CDD. J'ai postulé pour un autre poste. Est-ce que je vais réussir et signer un CDI, s'il vous plaît? Merci. Oui, il me faut 3 chiffres. Pour moi, 1 à 10. Et j'ai plus de papier. Alors. Donc, c'est pour savoir si elle va signer un CDI. Parce que là, elle va finir quelque chose. Alors, on va laisser café son 985 hein, pour les chiffres. Merci. Et Lorenzo Paul dit merci, Florence. De rien. Il y a la carte de la réussite qui est sortie et je pense que ça va. Pour l'instant, c'est comme s'il y avait une discussion autour de tout ça. Mm-hmm. Donc, sûrement qu'elle va avoir des nouvelles dans pas forcément longtemps. Par rapport au. Oui, par rapport au travail. Mais. Alors, on va la laisser peut-être répondre, Yas. Ça permettrait de retrouver un équilibre. Moi, c'est assez bizarre ce que je ressens. C'est comme si j'ai une hiérarchie, tu vois. Je vois quand même une espèce de hiérarchie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai quelque chose qui me fait penser à quelque chose de politique. Ou... Est-ce qu'elle a une personne dans comme sa si vie il y avait des missions, mais ce serait un peu dans des bureaux administratifs. Je ne sais pas, c'est bizarre. Mais est-ce que si elle a un conjoint, ce conjoint recherche aussi quelque chose? Après, si elle peut nous éclaircir, ce serait sympa parce qu'on n'a pas de réponse. Hein. Une fois. À trois fois, je passe à une autre question. Je plaisante. Elle est peut-être alors, en procédure. Son conjoint travaille, elle nous dit. Mmh. Bizarre. Est-ce qu'elle travaille dans des bureaux, Yas? Pourquoi on a les réponses aussi lentes sur stream? C'est embêtant. Hein. Ah, ça, c'est. Surtout que sur Facebook, elles arrivent plus vite quand on y est directement sur leur page, mais là, ça rame ou des gens ont oublié d'écrire. Elle est agent sur la voie publique. Ah, tu vois, j'ai la carte de la justice. Donc je disais, c'est bizarre, je vois la justice. Mais moi, je vois l'administration, des fonctionnaires. Donc, moi, j'ai plus. La voie publique. De toute façon, il y a quelque chose qui l'emmène dans les bureaux. Alors, dans les tribunaux non, peut-être faire. Dans les bureaux. Une espèce d'école, tu vois, une formation. Oui, je sais que ça rame sur StreamYard, ouais. Elle est fonctionnaire, ouais. Mais je la vois monter dans des. Je la vois monter, tu vois. Il y a toute cette hiérarchie pesante, ça l'étouffe. Elle ça emmène des gêne. Gens au tribunal. Elle emmène des gens dans des tribunaux. Non? Ouais, ça l'étouffe, tu vois. Il y a quelque chose qui l'étouffe. Donc elle veut certainement aller vers autre chose. C'est pas ça. Ça distribue les PV. Je la vois faire autre chose, moi. Elle travaille au sein d'une commune. Elle est peut-être policière municipale.
Et Et donc, pourquoi? elle Ouais, mais son est. patron, dans ce cas-là, c'est le maire. Donc, c'est pour ça C'est que agent territorial, en fait. C'est ouais, c'est pour ça que c'est. je vois ces politiques. Il faut qu'elle aille discuter, là. En Il est mort fait, de rire, Philippe, hein. Tu nous ce que expliqueras je après. Ouais. vois, ce que je ressens, c'est il y a la loi d'un côté qu'elle essaye de faire respecter, et de l'autre, il y a Ouais, tu aussi t'es mal garé, beaucoup tu prends un TV, ouais. Normal, hein. de comment? D'administratif dans lequel il faut qu'elle contente tout le monde. C'est-à-dire que si. Comment m'expliquer? Si. Elle doit aller pour une bagarre de voisinage, faut qu'elle y aille, faut qu'elle re-rentre, qu'elle fasse un rapport, qu'elle le donne à la commune et qu'elle reparte. Et, enfin, tu vois, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est comme ça que je le vois. Et. Donc c'est pour ça que ouais, toi Laurent, tu voyais les politiciens, mais c'est plutôt la mairie avec les Mais je élus. pense que si elle veut avoir son CDI, il faut qu'elle aille discuter avec ces gens qui sont au-dessus d'elle. Donc, je ne sais pas s'il y a un rendez-vous. Parce que les stagiaires, pour l'instant, eh bien, elle a pas passé les 1 an, peut-être. Je ne sais pas. Moi, pour moi, elle doit aller voir plus haut. Donc, pour répondre à sa question, parce qu'on ne va pas tourner en rond, est-ce qu'elle va réussir à signer quelque chose, donc un CDI? Moi, je dis oui. Mais Oui. là, il faut aller voir monsieur le maire. Ben, c'est pas. Quand t'es. Ouais, après, quand t'es agent territorial, c'est des fois complexe. Non, parce que je la vois faire une formation d'après mon ressenti, hein, donc elle va partir en formation. Ah oui, elle marque Monsieur le maire et mon patron, d'accord. Oui, il faut Ah qu'elle aille ouais, le donc voir. allez. Il va lui faire faire une formation et après elle va pouvoir Oui, revenir oui, oui. tranquillement. Ouais. Donc là, elle est au statut. Moi, je peux en parler de ça parce que j'ai un Ouais. fonctionnaire à la maison. elle est Bah en oui. statut stagiaire. Voilà. Et au bout d'un an, soit on la laisse de côté, soit elle passe en tant que fonctionnaire, donc agent territorial. Voilà. Et tout va bien. Mais je pense que ça va aboutir. La seule Mais chose, c'est pour moi, qu'il il n'y a faut pas de qu'elle doute, tienne le hein, il n'y a pas cap. de doute. Mais Ah maintenant, oui. Il faut qu'elle tienne le cap. non, non, il faut qu'elle fasse cette formation Non? qu'elle voit avec le maire, là. Elle va la faire et Oui? après, elle aura son poste. Je pense que tu as toutes tes chances, oui. Donc là, je la vois finir quand même dans un bureau, là, prochainement. Hein. Ouais, d'après moi, elle va faire un petit passage dans un bureau. Ouais. Le poste ferme pour la police. Donc je me présente ailleurs. D'accord. Ah, bestiole. Moi, j'ai pas de soucis, ça va redémarrer hein, pour toi, Yas, pour répondre. Hein. En fait, c'est comme si de toute façon, elle allait être reclassée de toute façon. Donc, Je sais. Oui. Ben non, non, non. Non, c'est pas comme le ça. poste ferme. Il faut que tu aies une commune qui ait des besoins de personnel et La des poste places. ferme pour la police. Donc, ça veut dire que ce poste n'est plus attribué. Non. Et donc, en général, quand tu as été fonctionnaire, Ben, c'est le maire de ta commune qui est ton patron. Après, si tu changes de commune, il faut ben faire c'est une à lui de demande et te retrouver une rejoindre. place ailleurs. Hein. Ben, Donc, surtout que là, elle était en CDD. Mais en CDI, il n'y a pas de problème, tu vas l'avoir. Hein. Voilà. Merci d'accepter notre réponse. On en prend une dernière. Allez. Dernière de dernière. Ben, oui, ben, tu as choisi toi, parce que moi, il y en a plein que j'ai loupé, malheureusement. Ben moi aussi, qu'est-ce que tu crois? En plus, je regarde même pas le chat pour les réponses. C'est vraiment des fois, tu vois, je la regarde au dernier moment. Ben moi, les réponses, je les attends dans le chat parce qu'ils sont longs à répondre. Patrice, si on est passé au tout début, dans la première heure du live, ta question. C'est bizarre, pour finir avec Yas, je la vois travailler dans une commune où il y a une salle de spectacle. Je ne sais pas si c'est une salle de concert. C'est bizarre. Bonsoir, Donc. Elodie, il y a Elodie MTB. Bonsoir Carmen, 603 1979. Vais-je être appelée
par la banque pour continuer le processus de recrutement avec le manager. Elle est un peu plus haut que les réponses de Yas. Elle est plus haut. Je la vois ou je ne la vois pas. Elodie, c'est son pseudo. Oui, Elodie MTB. Elodie, où es-tu? T'as monté loin, hein? Bah, je ne sais pas, je l'ai prise. Bah, tu dois avoir l'heure, donne-moi l'heure. Oui, 23h42. À 23, ça sera plus facile pour la trouver. Alors, 23h44, voilà. 23h40, 23h42 pour notre amie. Alors là, j'ai, bah, écoute, je la vois pas. Dans mon... 23h42, c'est du Facebook. À 41, il y avait la Lorenzo Paul. Ah si, ça y est, lave-la. Bah alors. Oh, ça a été dur. Le 358. Processus de recrutement avec le manager. On n'avait pas répondu déjà à Elodie tout à l'heure? Non. T'es sûr? Je suis pas sûr, moi. Hein? Ah, si. Non, Elodie. Bon. Il veut savoir au Remediatel s'il va gagner quinté demain. Ah, quinté, quarté, c'est mon dada. Tierce, quarté, c'est mon dada. Moi, si je gagne au quinté, je me transforme en Donald et je vais rejoindre Daisy. Je pense que dans peu de temps, elle va voir des nouvelles. Et il y a Philippe qui s'éclate. Il rigole tout seul. Alors, elle va avoir des nouvelles dans pas longtemps par rapport à son directeur de banque qui va l'appeler pour continuer le recrutement de... Je pense qu'il va, voilà, il va y avoir des nouvelles dans peu de temps, qu'il va y avoir un échange pour un projet nouveau, on va dire. Est-ce qu'il y a un rapport avec la Société Générale par rapport... à cette mission, Elodie. Elodie, réponds-moi. Merci. Fleufleu, elle m'a envoyé promener son patron, elle a dit. Ah. Oui, c'est la Société Générale. D'accord. Ben, il n'y a pas de problème. Tu vas travailler avec eux encore, hein, pour moi. Mmh. Pas de souci. Il va y avoir vraiment, ouais, c'est comme s'il y avait un nouveau projet mis en place et la naissance de quelque chose de nouveau. Oh, j'ai le logo dans la tête, il est là. Hein. Pas de problème pour toi. Il faut persévérer. Bon, après, c'est vrai qu'avec ce qui se passe dans le monde, là, les banques, elles sont peut-être toutes en panique. Il n'y a pas que les banques qui sont en panique même. Hein. Le prix du melon du kilo de pâte, il a augmenté. Hein. N'en parle pas, j'ai pris 100 euros sur le caddie de course. Là, Faut cuisiner, on va se remettre tout ça. Moi, j'adore cuisiner. J'ai fait des gnocchis tiens, aujourd'hui. Des gnocchis. T'as pas le logo de la poste en Médiatel. Oh, c'est dégueulasse. Hein. Non, mais attends. Quand on a un don de médiumnité, on a des images qui arrivent. On ne les comprend pas. On doit les balancer. On doit les donner. On doit dire. Bien sûr. Mais tout à l'heure, par exemple, il y avait aussi des odeurs. Parce que moi, j'ai ressenti, par exemple, dans le garage de la personne qui demandait si elle devait continuer à habiter sur place, je sentais du moisi. C'est vrai que tu as eu carrément l'odeur de moisi. Ouais. C'est terrible. Donc, quand on a un ressenti comme ça, Et puis après, je lui ai dit, il y a du monde dans la cuisine. Il s'inquiète. Je m'inquiète pour tout, mais vraiment pas pour les banques. Non, moi non plus, je m'inquiète pas pour les banques. Hein. Franchement. Eh bien, détrompez-vous. Je suis à deux doigts d'acheter un cochon et de lui mettre... L'argent virtuel est en train de prendre une grande ampleur. Moi, je vous le dis, mais techniquement, il n'y aura plus d'argent dans le futur, il n'y aura plus de banque. Bon, Laurent,
Tu fais moulage de noisettes, j'en fais une tirelire après. Mais noisette après. Non, 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 vous ne la passez pas à la broche, hein, mon petit cochon. Non, tu me fais le moulage, le moulage. Tu me fais le moulage et moi je fais une tirelire après. Mais c'est pas possible, tu pourrais rentrer dans la tirelire. Et ben c'est pas grave, c'est juste pour faire mes économies au lieu de la banque, tu vois ce que Ah je veux ouais, dire. bah là, tu vas en mettre dedans. Hein. Et ben Non, tant mieux. mais je pense qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, quand même. Ah, les bestioles, c'est pas vrai, ça. Bon sang, elle m'énerve. Bon, après, moi, j'aurais peut-être l'avantage sur la colère quand je me tais, mais bon. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein, celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui, pareil. Hein. Mais en tout cas, ce soir, on ne s'est pas ennuyé sur fréquence. Non. Hein. Ah bah non, c'est pas ennuyé. Bien sûr que non, on s'ennuie pas sur fréquence. On ne s'est pas ennuyé pour ce live voyance. En tout cas, Ah, voilà, c'était tiens. magique avec Flodiomnité qui était là avec nous. Il y avait Josie qui devait nous rejoindre, mais je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'occupe, comme elle a des petits chatons, elle donne peut-être le micro aux Oh, la chatons. m'énerve. Oui. Elle viendra peut-être en off nous faire un petit bisou. Oh, Bon, en les tout miens, ils vont cas, merci à bientôt tous qui sont partir. venus nous, tous nos amis qui sont venus nous voir. Et ce soir, merci d'être venus. On fera une petite soirée voyance, ça vous plaît, les soirées Oui, voyance? Ouais, de temps en tranquille. temps. Bon, en tout cas, on va bientôt me retrouver, moi, en enquête. Hein. Ah oui, alors oui, ton actualité, tu pars sur le terrain avec Nicolas. Je parle, oui, avec Nicolas Pleyver qui m'a invité et que je remercie Sur beaucoup un live. d'ailleurs. Voilà. Donc, enquête live, un lieu à découvrir. Donc, Donc ça va j'ai être en hâte. direct sur Facebook, on va vous C'est suivre. ça. Toi, c'est la première fois que tu vas aller sur le terrain. Oui, enfin, c'est pas la première fois que je vis ces expériences-là, mais là, aller avec des enquêteurs sur un terrain, ça va être une première. Mais alors, c'est Et tu vas nous livrer en direct tes ressentis, ouais, tes je pense impressions vives. que de toute façon, comme quand je vais dans un lieu, je peux pas me taire sur ce que je ressens. Voilà, c'est compliqué de se taire d'ailleurs, parce qu'on dit tout de suite ce qu'on ressent. Oui. Voilà. Alors, bon, Ben ce soir, j'ai c'est ce qu'on a essayé de matériel. faire, en tout cas, Florence. Hein. Ouais, Alors, ouais, je tenais à te remercier de m'avoir soutenu lors de cette soirée étrange. Oui. Et on remercie tout le monde. Il y a encore plein de monde dans le chat. Désolé pour ceux qui sont pas passés ce soir, mais on en fera d'autres. Ne vous inquiétez pas. Il faut vous Oui. abonner la petite cloche sur YouTube et sur Facebook, parce que c'est diffusé sur les deux. Hein. Quand on revient, Ouais. on fait une soirée voyance de temps en temps. Et il y aura un spécial astrologie bientôt. Et on Oui, c'est avait ça. le spécial ligne de la main à continuer parce qu'on n'avait fait que la ligne de. Ah, qu'est-ce qu'on avait fait comme ligne? Je ne sais même plus. Les lignes de, il y avait les lignes de don, parce que quand on voyait le M dans la main, Ah oui, le M, quand tu vois ouais. oui, le M dans la main, ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y avait la longueur de La ligne de vie. cœur, la ligne de Ouais. tête, ce qu'on n'a pas fait. Ouais. La ligne de cœur, c'est pour les amours. Ça peut être intéressant de faire un spécial ligne de la Ah. main, ligne de cœur pour les amours. En tout cas, ouais, bah, justement, j'ai retrouvé un truc. Regarde si j'arrive à le mettre à l'antenne, je ne sais pas. Est-ce que ça va apparaître dans les studios? Allez. Ouais. Líneas de las manos a la moda cigana. Vous avez dit M dans les mains? Sachez que j'ai un M dans chaque main. Je m'appelle Mimi, double M. Vous avez le seum ou pas? Laurent, ensorcelle-moi, ensorcelle-moi, Elle veut que j'ensorcelle carrément, t'as vu un peu. là là Mais c'est là intéressant quand même, ligne de la main, non? Oh bah oui, quand Comme même. sujet, on avait fait la Ouais. ligne du cœur, mais ils ont été gentils, ils m'ont fait plein de trucs pour la ligne Mais inférieure disons du cœur. que c'est vrai que ça reste quand même mystérieux, ces lignes de la main. Ouais. Bah oui, quand même. On a tous une main, on a tous une ligne, on a tous un destin et on a tous envie que ça se passe bien. Oui, bien De sûr. préférence, hein. Mais elle m'a fait trop rire, notre amie Adela. Je lui fais un petit coucou là où elle est. Oh, ma Mimi. Et puis, tiens, écoute, regarde comme elle chante bien pour finir le live. Allez. Fais-nous vibrer dans le para, ensorcelle-nous,
ensorcelle-nous. Le vendredi soir, le roi de la night, c'est toi. C'est toi, Laurent. Fréquence para. Le roi de la night, c'est surtout les auditeurs, les gens qui sont dans le chat et qui sont là avec nous, qu'on remercie, hein, Florence. Hein. Oui, moi je les remercie, ouais, parce que ça fait une année qu'on est ensemble. Et ouais, on papote, on partage les joies, les peines aussi, parce que il y a certains moments qui sont forts. C'est vrai. Il y a les bébés paras aussi qui naissent, parce que je suis sûre qu'il y en a, on n'est pas au courant de tous. Mais voilà. Franchement, bah, c'est que non, mais les gens partagent ce qu'ils aiment. Après, bon, effectivement, la voyance, c'est quand même pas facile comme ça de la faire. Dans le chat, donc excusez-nous, est-ce qu'on peut, hein, voilà. Il faut vivre dans un deuxième monde pour pouvoir y arriver. Ouais, et là, ça va faire presque 3 heures qu'on est en live, hein, quand même. Mais c'est ça qu'on aime. Et Sébastien, il râle encore, c'est scandaleux, on me répond pas, je veux pas te poser de questions. Oh, le pauvre petit vilain garçon. T'as dit. Est-ce que quelqu'un peut borner notre Sébastien National? Ça y est, je lui ai envoyé le lien, mais j'ai. Non, mais Sébastien, c'est une question en lui-même déjà. Ah oui, mais Sébastien. Ouais. Il a dû naître avec un point d'interrogation. Non, mais sur la tête. Dire. Alors, je vais parler de Sébastien Burget. En une année, je pense que c'est la personne qui s'est posé beaucoup de questions, qui a su. Il n'a pas trouvé les réponses encore. Ah si, on a trouvé une partie, mais il a su évoluer. Il a su se trouver et il va encore évoluer. Alors il y a quoi dans mon enveloppe, Florence? On a posé la question tout à l'heure pour ceux qui étaient là. Allez-y, vous avez droit à une réponse. Donc, quand vous avez posé la réponse, n'écrivez plus dans le chat. Alors, celui qui trouve ce qui peut être dans cette enveloppe, il le gagnera. Oh, une médaille de Padre Pio. Alors, on a la médaille de Saint-Benoît. On a une médaille, mais bon, c'est facile. Hein. Sébastien, il a dit Saint-Benoît. Par exemple. Après, c'est peut-être pas une médaille. Une forme un peu géométrique pour Florence. Vous avez droit qu'à une réponse, hein, à part Fleu-Fleu qui peut peut-être compléter sa réponse. Une forme géométrique, un collier de Sainte-Marie, un billet. Ok. La Vierge Marie. Je ne sais pas. T'as dit que ça protégeait. Saint-Christophe, elle nous a rajouté. Mika, il nous dit que une pierre tombale. Ouais, pourquoi pas, Mika. Ouais, je ne sais pas comment j'aurais mis un cintre là-dedans, Marius. Hein. Un cintre? Ah, en photo, peut-être, oui. Ah, non, t'as parlé de médaille. Moi, je dis un. Bah, tout le monde va sur Saint-Benoît, tout le monde voit des médailles. Padré, moi, j'ai dit Padré. On a une labradorite pour Mika Fuentes, la Vierge Noire, une enquête de Saint-Benoît. On a Saint-Benoît. La photo du château. Alors, de Fontainebleau. Alors, il y a des gens qui ont trouvé ce que ça pourrait être, mais qui n'ont pas trouvé qui c'était, ça c'est sûr. Donc, on a bien une médaille religieuse avec une sainte, c'est Notre-Dame de Fatima qui est là, devant nous, avec une petite prière au dos. Donc, est-ce que vous avez entendu Notre-Dame de Fatima dans le live? Non. Qu'est-ce que quelqu'un a mis cette réponse? Non. Médaille, oui. Mais bon. Médaille, oui. Médaille. Bon, oui. Bah voilà, je vais gagner. Allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la remet en jeu pour la prochaine fois. Ah oui, voilà, mais on la remet en jeu. On mettra autre chose dans l'enveloppe. Celui qui trouvera dans l'enveloppe, on lui offrira. Voilà. Non, personne. Exactement. Pour Cédric. Je regarderai quand même le chat en arrière. Non, pas vu de Fatima. Bah, si vous la voyez passer, vous lui dites qu'elle vienne parce que c'est elle qui a gagné. Hein.
En tout cas, on connaît Fatima. On pourra peut-être en parler un soir. Et j'en ai d'autres comme ça avec d'autres saints. Donc, si vous voulez gagner un saint, un soir peut-être, mais il faudra trouver qui est dans l'enveloppe. J'en ai pour déjà deux. Moi. Ce soir, personne n'a eu de bonne intuition, je crois. À part peut-être Mika Fuentes qui a dit une labradorite, mais il était hors sujet. Mais ok, Laurent, j'appelle. Ben non, rien vu de tout ça. Ben oui, mais des fois, on a des intuitions, des fois, on ne les a pas. Il y en a qu'une qui a entendu. Ouais. C'est pas vrai. Impossible. Si vous avez des questions pour la prochaine fois, peut-être on créera un événement, vous les posez avant dans l'événement, comme ça on peut les avoir avant et on prend les gens dans l'ordre. Après, c'est très difficile parce que faut les envoyer vite hein, et c'est drôle, hein, ouais, comme il dit Philippe. Hein, mais non, tu n'as pas entendu, toi, ce que j'ai dit. Alors vas-y, vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu m'as dit? Vas-y. Tu dis, ben, y a quelqu'un qui ingrat un sein. Moi, je dis, j'en ai deux. Ah là, elle l'a mérité. Hein. Parce qu'il y en a qui dirait je voudrais les voir, mais bon, vous êtes sur fréquence, la fréquence des branches. Oh ben ils les ont pas eux quand même. Je suis pas sûr, moi je veux des preuves, comme dirait Sébastien Burguet ou Mika. Mais ah oui, il y a Cédric qui a dit qu'il avait entendu parler de ça. Oh, il avait oublié le carton rouge là, celui-là. Il était mérité, hein, Philippe. Hein, bon, égalité, Laurent. Pour une deux fois. Ce soir, Florence. Hein. Deux et toi aussi deux. Non, j'en ai eu qu'un. Non, 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 ben, non, j'en ai eu qu'un. Est-ce que j'en ai eu un ou est-ce que j'en ai eu deux? Deux. Il y a Yas qui nous dit merci pour le live, merci pour vos réponses, bonne soirée, merci, à bientôt. Il y a Remédiatel qui nous dit comme Saint Thomas. Ouais. Oui. Il a bien mérité, il nous a dit. Non, c'est vrai que j'avoue que on a été sages quand même. Oui. Sébastien a dit j'en ai pris trois ce soir et Flo, elle me dit que j'en ai pris trois. Non, deux. Deux, j'ai dit égalité. Ah, c'est Flo qui dit ça, hein. Alors, j'en ai pris combien? J'en ai pris deux, j'en ai pris trois. J'ai égalité. Égalité, non, tu vois, deux, ils disent. Hein, ouais, c'est ça. Oui, deux, c'est temps, ça. Bon, en tout cas. Bon, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. En tout cas, nous, on a passé un bon moment avec vous. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Et comme toute bonne chose, ça a une fin. C'est les vacances. Mais par contre, il y en a qui veulent nous rejoindre en off. Je vais mettre le lien. Hein, vous montez. Oui. Vous faire un petit coucou. On va papote encore un petit peu ensemble hors live. Mais merci à tous, en tout cas, pour cette soirée. Et si vous plongez dans un film, pensez à nous. Parce que nous, on va continuer à papoter un petit peu. Hein, si vous plongez dans un livre, n'oubliez pas Alan Kardec. Kardec. Ça, c'est un bon livre pour dormir aussi. On part dans nos rêves. Quoi, hein. Ah, j'ai commandé deux bouquins hyper intéressants de matérialisation assez rare que je suis arrivé à attraper aux enchères. Ouh. Je vais plonger dedans encore. Il y a beaucoup d'illustrations et le premier ouvrage est de 1909, le deuxième de 1911. Avec un côté très scientifique dans la recherche et l'approche de l'auteur qui nous livre ses rencontres, ses apparitions de matérialisation plutôt. C'est une étude sur les apparitions et matérialisations des vivants, des morts de Monsieur Delanne. Et c'était, si ma mémoire est bonne, édité à la librairie Spirit, exactement, à cette époque. Donc, je vais plonger dedans, je vous montrerai des photos. Je prendrai le temps aussi pendant les vacances de faire plein de petites photos de certains passages des livres. Parce que moi, quand je lis, il y a des fois des réflexions qu'ils avaient, les mecs, par rapport à ce que l'on cherche à comprendre, qui était intéressante, qu'il faudrait retravailler un peu. Aujourd'hui, on a oublié cette approche un peu scientifique. Humaine. Qui ont des capacités. Et humaine, oui. Ouais, ouais. Parce que souvent, on retrouve une part de question d'humanité dans le spirituel, finalement.
Dans aussi. ce livre, on trouve quand même des témoignages de séances de communication, hein, parce que il a suivi justement, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un continuateur, si tu veux, du spiritisme après le décès d'Allan Kardec. Et c'est un mec qui a travaillé auprès de Léon Denis, de Camille Flammarion, et c'est vrai qu'on a quand même une étude, une approche dans ces volumes qui sont intéressantes d'après les extraits que j'ai. Par contre, j'ai trouvé pas mal de livres en PDF, donc gratuits aussi, parce que ceux que je cherche, on peut les trouver pour certains en PDF et on peut les lire si vous On aimez peut lire sur les écouter l'ordinateur. aussi. Et j'ai quelques livres anciens intéressants que j'ai trouvés aussi en audio pour ceux qui Ouais. s'intéressent. Vous pouvez venir vers moi. Il y Je a vous Allan enverrai des Kardec, liens. hein, qui est en audio, hein. Le livre des médiums, le livre des esprits est en audio aussi. Alors, moi, j'aime bien toucher le papier. Moi aussi. Il C'est pour faut ça que je qu'il les vive, achète. tu vois. Il faut qu'il respire, C'est ça. parce que c'est un peu. Il y a l'âme de quelqu'un dedans. Et c'est vrai que Non, quand on puis tu retrouve peux des faire des bouquins petites comme ça. annotations. Tu peux poser des post-it, faire des petites annotations, laisser un papier coincé dedans, revenir plus tard pour faire cette réflexion. Tu vois, Moi, j'ai mes c'est. post-it, hein, ouais. Mais là, Ouais. si tu veux, c'est la revue scientifique ou morale du spiritisme, qui était un organe de l'Union Spirit Français, qui a été c'est paru, si tu veux, en 1883 exactement. Et donc, dans ces deux volumes, on parle de religion, mais aussi perdue, on parle d'autorité, on parle de discussions philosophiques. Je vais faire des photos, de toute façon, je vais vous montrer des extraits, ça c'est sûr. Cédric, tu sais, j'ai été sur le fameux site de vente par correspondance d'échange, hein, Vinted. J'ai trouvé le livre des médiums et le livre des esprits pour 8 euros l'ensemble. Donc, avec les frais de port, je pense que c'est pas très excessif. Quand Le on mien, prend. il a 100 ans et je ne peux pas avoir un livre. J'en ai dans ma bibliothèque des livres, mais un livre neuf, il me parlera moins, j'aurai moins envie de plonger dedans. J'aime le vieux papier et c'est vrai que si on achète d'occasion les livres, on contribue à l'amélioration de la planète puisqu'on n'a pas besoin de les recycler et de polluer. Et en même temps, souvent, les sites marchands reversent une partie des fonds. Comme Rakuten, etc., à des œuvres ou à des gens qui ont des problèmes d'illectrisme ou autre. Donc, il faut acheter du livre. Hein. Il y Faut a se remettre un à lire. endroit, il y a un endroit où les gens ne pensent pas à aller. Moi, j'adore y aller. C'est Emmaüs. Ils ont des bibliothèques. Mais de livres que les gens oublient forcément, puisqu'ils ne veulent pas, ne prennent pas le temps d'y aller. Mais il y a ces choses-là aussi où on peut aller voir. Et bien sûr, on peut en prendre une quantité phénoménale parce que les prix sont moindres, mais ça Moi, ils permet de sont les aider rares. aussi. C'est ce côté. Parce que je suis le parcours. Je suis un peu comme Indiana Jones. Je suis en train de suivre une piste en partant d'un livre et d'un auteur qui était Paul Heuzé. Je suis parti dans la découverte de d'autres auteurs que je ne connaissais pas. Et ça t'amène vers des bouquins que tu n'aurais jamais été voir si tu n'avais pas cherché à savoir qui Ouais, étaient ces personnes. c'est Et ça. notamment. Par rapport à Marius, en suivant justement ces gens, je suis tombé sur Lombroso, c'est ça, Lombroso, qui était un hypnotiseur, qui a écrit des bouquins au début du siècle sur des méthodes d'hypnose. Et cet après-midi, avec Marius, on a gagné aux enchères un de ses bouquins pour 8 euros, tu vois, Mais qui a c'est 100 ans. génial. Bah oui, et c'est génial Marius, parce tu en parleras bien. que il va continuer de vivre ce livre. Il va continuer de vivre. Oui, puis je pense Moi, que je. Marius, il va apprendre des choses. Et par rapport à celui que j'ai, donc le tome 1 de ceux qui vont arriver, là, c'est les fantômes des vivants. Donc il y aura un sujet sur les hallucinations véridiques, les apparitions télépathiques, les apparitions multiples ou collectives des fantômes de vivants, un essai d'apparition volontaire. Tu vois, il y a la recherche expérimentale sur l'extériorisation double de la personne. Ça va loin dans ce qu'ils cherchent les mecs hein, Ouais. à l'époque. Je dis les mecs, je veux dire Pierre Oui, mais bon. Marie Curie, etc.
nos amis vous de pouvez l'au-delà, faire ouais. des bonnes trouvailles dans les boîtes à livres de vos communes aussi. Des fois, les gens sous-estiment leurs livres. C'est vrai. Et donc, ils les mettent dans les boîtes à livres. Donc, c'est des dons, hein. On met ça comme ça. Et puis, on peut échanger, on peut poser des livres, en reprendre On a ça dans etc. la commune, et c'est très ouais. bien. Mais là, il y a un essaim d'abeilles qui s'est installé dedans, et ça, c'est plus embêtant. Mais là, tu vois, par exemple, le dédoublement de l'être humain démontré, il travaille sur l'existence de cette âme à l'époque. Il se posait la question si l'âme était indépendante du corps. Alors, tu vois, t'imagines des gens comme ça qui s'interrogent là-dessus. C'est la fameuse réflexion aussi, est-ce que l'âme peut avoir des émotions? Je pense que c'est... Oui, oui, c'est ça. Quelquefois, oui. Est-ce qu'on a des preuves objectives de la réalité des apparitions complètes qui se matérialisaient à l'époque devant eux? Il y a quand même des trucs de fou hein, qu'ils ont fait en séance privée, parce que c'était des petits clubs, ils se réunissaient, ils cherchaient entre savants, ils se posaient des questions par rapport à la fraude dans les séances de spiritisme, parce qu'il y en a qui fraudent quand même. Hein. Même encore aujourd'hui sur Internet. Voilà, déjà à l'époque, il y avait aussi toute cette... ces séances, il y a ces histoires de séances, et donc on découvrira ces gens qui ont participé à ces séances, je vous parlerai d'eux. Si j'en découvre d'autres, je le ferai aussi, mais c'est toujours intéressant de regarder ce que les autres, comment les autres ont vu les choses, Florence. Voilà. Ouais. Moi, je vais répondre à Daisy, oui, bien sûr qu'un livre a une âme, l'âme ouais, de transmettre, oui, hein. ouais. l'âme de transmission, l'âme de partage, l'âme des émotions. L'âme des émotions, ouais. Moi, je l'avais montré en vidéo pour ceux qui l'ont vu. En tout cas, la Ouija, elle est là. Ah là là. Elle pixel. C'est sympa. Ouais, je sais. Ouais. Mais bon, ça, c'est le pixelage par rapport à la... Ah, peut-être, on avait dit de travers l'autre jour. Hein. Fallait la mettre. Ouais, ah. Voilà. Voilà. Elle est là, je vais la tester. Hein. Je pense que elle est hypersensible. Et il y a son pentagramme qui va être installé demain dessus. Mais il faut vivre le para et l'aimer. Voilà, c'est tout. Nous, on aime ça. Ce soir, c'est de la voyance. Hein. Et on dit toujours que ce ne sont pas les riches qui font le bonheur, mais l'usage qu'on en fait. Voilà. Effectivement. Comme on dit. Alors, moi, je souhaite plein de bonnes choses. Il y a encore à Lilou, on dit au revoir avec Florence, à Daisy, Florence, Flo, Cédric, Sébastien et tout le monde. Je vous embrasse tous. On vous embrasse tous, Florence. Et mardi, on est chez toi à partir de 21h sur YouTube. Alors, je vais publierai un petit jingle. Non, mais oui, on me retrouve. Par contre, mardi, je ne sais pas, puisqu'on me retrouve aussi samedi en live hein, pour une enquête. Et c'est vrai que ça. Tu peux venir en parler un petit peu. Ouais. On parlera de l'enquête. Pourquoi voilà. pas faire venir Nico? Là, voilà, faites un petit avant chez toi, voilà. Ouais, avec sa communauté. Eh oui, ce serait sympa. Bon, en tout cas, moi, je te remercie. Je te fais un gros bisou. On reste en off. Et ceux qui veulent nous rejoindre pour finir la soirée, venez nous faire un petit coucou. Mais on ne restera pas trop longtemps non plus. C'est les vacances ce soir. C'était une soirée spéciale pour vous. Voilà. Il ne faut pas vous oublier, les enfants. Hein. Merci voilà. à tous. Salut, Florence. Merci. À plus tard. Merci, ciao. Laurent. Salut, bonsoir à tous. Merci. Profitez du week-end. Prenez soin de vous. À bientôt sur Fréquences. Fréquence paranormale, la fréquence débranchée du para. Avec le flou ce soir. Madame Irma. Elle n'avait pas sa boule de cristal, mais elle nous a dit qu'elle en avait deux.